Bonsoir mes chers collègues, nous allons démarrer notre séance du conseil municipal. Alors, donc Éric Berdati, je suis présent. Ségolène Delarmina. Présente. Jean-Christophe Pierson. Présent. Brigitte Pinault a donné pouvoir à Capucine Dussartel. Qui accepte. Jacques Gruber. Présent. Capucine Dussartel. Présente. Olivier Berthet. Présent. Anne Covo a donné pouvoir à Jacques Gruber. Présent. Françoise Askenazy. Présent. Nicolas Portex. Présent. Ah oui, c'est par là. Sacha Gaillard m'a donné pouvoir, je l'accepte. Diane Doma. Présent. Jean-Christophe Achard. Présent. Mireille Guézenec va nous rejoindre. Elle est à pied, elle a eu un petit souci de voiture, donc elle arrive à pied. Elle va nous rejoindre. Jean-Claude Trémaintin. Jean-Jacques Véraud, Nathalie Mouton-Veillé, Edith Sagroun, Virginie Rochin, Diane Michoudet, Nicolas Pujol, Céline Peigny a donné pouvoir à Diane Doma, François-Henri Reynaud devrait nous rejoindre, Arnaud Bosser devrait nous rejoindre, Pauline Gesmard a donné pouvoir à Françoise Askenazy, Claire Louvet a donné pouvoir à Ségolène Delarmina. Qui accepte ? Christophe Vartel. Annie Potier, à qui je souhaite la bienvenue. Et on va se revoir dans quelques instants. Pierre Bosch a donné pouvoir à Catherine Grévelinck. Catherine Grévelinck présente. Delphine Potier. Raphaël Mechmaz. Pierre Cazeneuve va nous rejoindre aussi, je pense. Xavier Brunjvic. Et Alain Montet. Et voilà Arnaud Bosser. Voilà. Avant toute chose, mes chers collègues, notre collègue Laurent Monjol nous a quittés pour des raisons personnelles. Et donc, nous avons le plaisir. Et d'abord, je voudrais remercier Laurent pour son engagement dans la délégation des transports, qui est une délégation qui est peu visible de nos administrés, mais qui est une délégation technique et chronophage. Et surtout, on arrive maintenant à l'heure où tout ça va prendre vie, notamment pour le Grand Paris. Donc, un grand merci à Laurent. Et donc, du coup, Annie Potier nous rejoint. Et donc, on est très heureux de l'accueillir parmi nous, parce qu'elle a été très active pendant la campagne. Elle faisait bien sûr partie de notre équipe. Et elle a suivi avec attention l'ensemble de la vie municipale, bien qu'elle n'était pas élue. Et donc, c'est une clodoaldienne rompue quasiment aux activités du conseil municipal qui nous rejoint. En tous les cas, on est très heureux de vous accueillir, chère Annie, et nous vous félicitons pour votre entrée au conseil municipal. Si vous voulez nous dire un petit mot, ce n'est pas obligatoire, mais vous appuyez sur le bouton, c'est le baptême du feu. C'est le baptême du feu, voilà. Vous vous en doutez, je crois que c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole en ce 21 mars 2024. Je m'en souviendrai. Donc je suis ravie, je suis même très fière de rejoindre le conseil municipal de la ville de Saint-Cloud qui m'a accueillie voilà 15 ans. Et j'ai hâte, vraiment hâte, de contribuer avec vous tous aux actions et aux activités qui concourent au développement de notre ville. Et je tiens donc à vous remercier pour votre accueil bien chaleureux. Merci Monsieur le maire et merci chers collègues. Je ne sais pas si la formule me l'autorise, mais vous êtes notre printemps. Alors, nous aussi on est très heureux de vous accueillir. Allez, on a l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2024. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observations, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Les décisions prises depuis donc notre dernier conseil, je vais essayer d'aller vite, mais de les énumérer toutes quand même, il y en a 85. Alors, en affaires juridiques et domaniales, décision d'ester en justice devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre d'un contentieux opposant la ville à un groupement de maîtrise d'œuvre. Décision d'ester en justice dans le cadre d'un contentieux commune de Saint-Cloud, la MAF. En fait, ça, je pense que c'est pour, vous savez,
la continuité du procès qui est assez ancien maintenant avec la malfaçon de la réalisation du faux plafond de la piscine des Tourneroches, oui, voilà, où on a déjà eu le rapport d'expert. Le rapport d'expert nous est très favorable puisqu'il dit qu'il y a une malfaçon, sauf que depuis 2 ans ou 3 ans, il ne se passe plus rien, donc il faut qu'on relance ça. Je pense que c'est ça. Décision de défendre les intérêts de la commune devant la cour administrative d'appel de Versailles dans le cadre d'un contentieux intitulé « Monsieur X contre la commune de Saint-Cloud ». Décision de défendre les intérêts de la commune dans le cadre d'un contentieux lié au permis de construire, donc ça c'est différents permis. Décision d'introduire une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles L302-8, L302-9 et -1 du Code de la construction et de l'habitation avec les droits et libertés garantis par la Constitution. Décision de la commune destinée en justice dans le cadre du dossier commune de Saint-Cloud contre l'État. Mise à disposition et location de salles au carré, au brunet, colonne, porte jaune. Convention d'occupation domaniale pour des logements. Cimetière communal de plusieurs décisions. 14 renouvellements de concession et 3 achats de concession. Et enfin, autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'installation d'un food truck au tennis des Coteaux dans le cadre de la soirée tennis fluo qui a eu lieu le 8 mars. Marché public, organisation, gestion des marchés d'approvisionnement, travaux d'étanchéité pour un logement, travaux de plafond et de doublage au marché des Avelines, travaux de restructuration et d'extension du centre culturel Les Trois Pirots, enfin Les Trois Pirots tout court d'ailleurs, avec différents lots, le lot numéro 12A, 12B, 12C, des enfumages, plomberies, chauffage, ventilation, climatisation. Modification sur plusieurs marchés, gymnase et piscine des Tourneroches, réfection des étanchéités et sécurisation des toitures terrasses, bâtiments communaux, modification au marché d'exploitation PFI, PF et CP des installations de chauffage, ventilation et climatisation, marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de réfection complète de l'église Saint-Claude-aux-Halles, marché de travaux pour la restructuration de l'îlot des Avelines. Il y a plusieurs modifications, modification numéro 7 du lot 3, modification numéro 3 du lot 6, modification numéro 1 du lot 7A, modification numéro 4 du lot 9, modification numéro 4 du lot 10, modification numéro 2 du lot 13. Enfin, en finance, création de régie de recettes, création de régie d'avance pour des séjours à Quiberon, à Tamiers, demande de subvention pour le remplacement du tapis de danse au cinéma des Trois Pirots, remplacement des projecteurs halogènes par des LED aux Trois Pirots toujours, et du parc cadreur au musée des Avelines, rénovation et extension de l'équipement d'alarme d'incendie pour l'hôtel de ville, ça c'est mieux vu que c'est un ERP, réfection complète de la toiture de l'église Saint-Claude-aux-Halles, construction de 6 logements, réhabilitation et reprise en sous-œuvre aux 3 rues Feudon, exposition Eugène Carrière de tendresse et d'amitié au musée des Avelines. Et enfin, culture, opération de régulation des collections de la médiathèque, cession de périodiques aux usagers de la médiathèque et convention de prêt d'œuvre pour le musée des Avelines. Voilà, mes chers collègues, pour les décisions depuis le dernier conseil. Et nous en arrivons aux communications. Hop. Mes chers collègues, l'objet principal de notre réunion du conseil municipal est l'adoption du compte administratif pour l'année 2023. Une nouvelle fois, nous allons constater que l'exercice budgétaire 2023 pour notre commune est excédentaire. En effet, le résultat net pour l'exercice 2023 est de 3 644 991,47 euros. Nous constatons également à la lecture du rapport de présentation que le délai de désendettement, qui exprime le nombre d'années théoriques nécessaires à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette, si elle y consacrait la totalité de son épargne brute, est de 4 années. Nous sommes donc bien loin des propos affichés lors du vote du budget primitif par le groupe Saint-Cloud 2020, qui calculait ce délai à 11 ou 12 années. La situation financière de la ville de Saint-Cloud est saine. Ce résultat est le fruit d'une exigence. La dépense publique ne doit jamais être une facilité, mais bien le fruit d'une maîtrise pleine et entière du financement de nos politiques publiques. Chaque euro dépensé doit poursuivre un objectif simple qui repose sur 3 principes, l'amélioration de notre cadre de vie, la qualité du service public rendu à nos administrés, l'effort de solidarité indispensable pour continuer à vivre ensemble de façon apaisée. Cette exigence nous oblige à faire des choix politiques avec la majorité municipale nous assumons. Nous le faisons avec responsabilité et lucidité, et toujours avec le sens de l'intérêt général comme boussole.
Être excédentaire est une obligation légale pour les collectivités. Il n'en va pas de même pour les comptes publics de l'État. Ironie du calendrier, alors que nous allons constater dans quelques instants les résultats de notre exercice, le président de la République réunissait hier soir à l'Élysée, autour d'un dîner, les principaux responsables de la majorité présidentielle pour parler déficit budgétaire. Une réunion de crise quelques jours avant la publication par l'INSEE du déficit public pour l'année 2023. Il sera supérieur à 5% du PIB, du produit intérieur brut, probablement autour de 5,6. Ce déficit viendra augmenter le montant de la dette publique qui, à la fin de l'année 2023, était de 3,88 milliards euros. Cette situation catastrophique de nos finances publiques intervient alors qu'en 2022, la France est devenue championne du monde en termes de prélèvements obligatoires. Le taux de prélèvements obligatoires dans notre pays est de 46,1% du PIB, du produit intérieur brut. Dans ces conditions, pour équilibrer le budget, l'augmentation de la fiscalité des ménages est une solution inenvisageable. Il ne reste donc comme piste de travail que la diminution de la dépense publique. Il semblerait qu'une nouvelle fois, les collectivités locales soient dans le viseur des convives du dîner élyséen. C'est la solution de facilité qui permet d'éviter de faire de vrais choix politiques. La méthode est connue d'avance. En catimini, on baisse la compensation de taxes d'habitation versées aux collectivités et le budget de l'État affiche des économies. Les collectivités, au premier rang desquelles figurent les communes, subissent une nouvelle perte de recettes et pour survivre se retrouvent dans l'obligation d'augmenter fortement la taxe foncière, ce que certaines ont déjà anticipé. L'impopularité fiscale se tournera inéluctablement vers les élus locaux. Ce scénario fort probable conjugue de la part de nos dirigeants lâcheté et cynisme. Pourtant, d'autres solutions sont possibles. Le budget de l'État se décompose en trois grands secteurs. La dépense de l'État, qui en 2022 était de 445,7 milliards d'euros. Les comptes des collectivités, 236 milliards d'euros en 2022 toujours. Et enfin, les comptes sociaux, 848,9 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 850 milliards d'euros toujours en 2022. Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Contrairement à ce que pensent certains, il n'y a quasiment plus de marge de manœuvre sur les deux premiers postes budgétaires, les dépenses de l'État et les comptes des collectivités. Ou plus exactement, les économies réalisables ne sont pas à la hauteur des déficits. C'est donc bien sur la dépense sociale des 850 milliards d'euros que les solutions existent. Pour engager cette réforme indispensable, il faut conjuguer lucidité et courage. Il faut aussi être capable de proposer à nos compatriotes un nouveau cap proposant ainsi un nouveau pacte social républicain. Ce nouveau pacte social républicain doit s'organiser autour de deux principes forts, humanisme et soutenabilité financière. C'est l'enjeu majeur de la prochaine décennie. Si nous ne faisons pas cet exercice, alors nous serons un État qui, financièrement, sera équivalent à la Grèce des années 2010. La France mérite mieux que ce funeste destin et a les moyens d'éviter une telle désillusion. Il est temps de se mettre au travail et de proposer à nos compatriotes une réforme ambitieuse et porteuse d'avenir. Madame de Larmina. Merci, Monsieur le Maire. La 7e édition de l'opération Un artiste, un commerçant a lieu en ce moment dans 32 commerces de la ville. Donc je rappelle que c'est un événement qui n'existe qu'à Saint-Cloud et qui est créé en partenariat entre le service du commerce et le service de la culture. Et je pense qu'on peut vraiment remercier les équipes qui ont travaillé pour que cet événement puisse encore avoir lieu. Et c'est toujours l'occasion de très belles rencontres avec beaucoup, beaucoup de succès. Donc nous avons inauguré la semaine dernière au Carré l'exposition qui permet de présenter une œuvre de chaque artiste. Et puis avec Monsieur le Maire et Françoise Askenazy, depuis le début de la semaine, nous faisons le tour des commerces. Et nous sommes toujours très heureux d'y rencontrer des artistes et des commerçants qui sont ravis de cet événement. Sinon, je voulais vous dire qu'au Trois Pierrots, les travaux se poursuivent à l'intérieur comme à l'extérieur. Les aménagements prennent forme petit à petit et nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir dès le mois de juillet 2024, donc finalement dans 3 mois. Au musée, nous préparons activement la prochaine exposition Saint-Cloud, le sport à la une, 1880-1950,
Je vous donne rendez-vous à partir du 29 mars pour découvrir le riche passé sportif de notre ville à travers de nombreuses œuvres et objets historiques. Les visiteurs pourront se plonger dans les exploits sportifs de golfeuses, rugbymen, coureurs, tennismen et cyclistes, grâce notamment aux photographies qui proviennent de la Bibliothèque nationale de France et de la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Comme d'habitude, il y aura des conférences, des rencontres et des ateliers tout au long de notre exposition. Le samedi 30 mars et le dimanche 31 mars se déroulera la manifestation du printemps de la sculpture. C'est une manifestation départementale. Et donc nous proposerons une visite thématique de notre nouvelle exposition qui s'intéressera au corps à l'œuvre et un atelier collaboratif pour mettre en scène un village olympique dans la rotonde du musée. Venez nombreux. La médiathèque participe actuellement à l'opération Le printemps des poètes sur le thème de la grâce cette année, avec une exposition sur les fruits dansés par l'auteur et artiste Raphaël Bernard Bacot. Et samedi 23 mars, donc ce week-end, il y aura un atelier d'écriture poétique dans le cadre de la résidence d'auteur, qui, je le rappelle, est un projet financé par la région Île-de-France. Samedi 30 mars, les jeunes qui participent au Bubble Prix vont élire le meilleur manga de la saison. Le suspense est total. Et le 27 avril aura lieu une conférence, donc toujours à la médiathèque, sur Pascal ou l'infini désir de vérité par Jean-Baptiste Veffre, professeur agrégé de lettres modernes. Quelques nouvelles maintenant du service patrimoine et archives. Alors je crois que vous avez sur votre table une petite enveloppe avec des cadeaux dedans. Ce sont les nouvelles flâneries au cœur des quartiers de Saint-Cloud qui sont désormais disponibles et qui permettent de découvrir l'histoire et le patrimoine de la ville tout en vous baladant. Donc il s'agit d'une version actualisée, plus moderne et plus accessible, grâce à des contenus mis à jour, et il y a aussi des devinettes pour les plus jeunes. De l'hippodrome à la gare de Saint-Cloud, du domaine national à l'hôtel de ville, en passant par l'ISBA de la rue des Écoles, vous n'aurez plus d'excuses, vous saurez tout sur Saint-Cloud. Sinon, le volet hors les murs de l'exposition Saint-Cloud, le sport à la une, 1880-1950, s'est concrétisé, avec l'installation cette semaine de bâches monumentales et de panneaux sur divers équipements sportifs de la ville, mais également sur les grilles du parc du Pré-Saint-Jean, du lycée Alexandre Dumas et au sein du domaine national. Concrètement, vous pouvez y retrouver dans tous les quartiers de la ville des photographies qui représentent des sportifs ayant disputé des compétitions à Saint-Cloud. Donc ce sont bien des photos qui ont toutes été prises à Saint-Cloud. L'objectif, donc, c'est d'inviter la photographie et l'histoire du sport dans nos rues, tout en suscitant un regard renouvelé sur le patrimoine bâti de la commune. Quelques mots sur l'éclat, pour vous dire qu'il y a en ce moment une exposition qui s'intitule « En grande pompe », que je vous invite à aller découvrir, et également un concours photo, « L'art du sport à Saint-Cloud », il est encore possible de participer. L'éclat proposera également des stages pendant les vacances de printemps, avec notamment une initiation au dessin numérique. Et je finis avec le carré pour vous dire qu'en plus des activités régulières, associatives et autres, nous avons accueilli une très belle exposition de l'artiste Olivier Zimny dans l'espace Éode. Et pour ce qui va se passer très bientôt, du 2 au 6 avril, l'association Broad Indra proposera une présentation de broderie par applique avec un vernissage le 2 avril. Vous êtes tous les bienvenus également. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Pierson. Merci, monsieur le maire. Donc, j'ai deux points que je souhaitais évoquer avec vous ce soir. Le premier, autour de la santé. Pour bien repréciser un point, j'ai eu de nombreuses questions. Donc, faites-vous l'écho de ce que je vais vous annoncer là. Depuis le début de l'année, les deux antennes de ma maison médicale se sont séparées. Donc, il y a bien maintenant deux entités différentes. Ma maison médicale du docteur Bourgeois et Louvré-Bouillet, qui se situe rue Préché, dans des locaux tout neufs, qui ont été inaugurés en présence d'ailleurs de monsieur le maire l'année dernière. Et puis Saint-Cloud Santé, l'ancienne ma maison médicale, Saint-Cloud Santé qui se situe rue Gounod. Les deux entités bénéficient toutes les deux du statut juridique de maison de santé pluridisciplinaire et bénéficient ainsi de subventions qui leur permettent de louer des box aux praticiens à des tarifs préférentiels. Donc ma maison médicale, le nom vous connaissez, rue Préché, deux médecins généralistes, un psychologue, une diététicienne, une neuropsychologue, et puis Saint-Cloud Santé, rue Gounod, deux médecins généralistes, dont un médecin spécialiste du sport d'ailleurs, deux infirmiers, deux sages-femmes, une psychologue, une ostéopathe et une orthophoniste qui va arriver au 1er août. Voilà, j'espère avoir clarifié ce point-là.
pour les deux antennes, les deux maisons médicales sur la ville de Saint-Cloud, en plus naturellement de la maison InWeCare qui se trouve dans le quartier des Coteaux. Un petit point rapide, deuxième point que je voulais évoquer avec vous, un point autour de la solidarité pour, à la lumière de leur bilan annuel que j'ai reçu il y a peu, vous redire en deux mots le statut du CLIC Géricault. C'est une association, loi 1901, qui est présente sur Saint-Cloud et qu'on va d'ailleurs mieux voir aujourd'hui puisqu'elle était un peu cachée par les travaux du marché. Oui. Et aujourd'hui, vous la verrez bien, elle est à l'arrière du marché, juste à côté de la rue des Avelines. Les missions du CLIC, c'est de mener des actions de coordination gérontologique auprès des personnes âgées de plus de 60 ans. Accueillir, informer, évaluer à domicile les besoins et les attentes, accompagner la mise en œuvre des aides, etc., etc. La cible de nos trois communes, enfin quatre communes d'ailleurs, puisque Marne-la-Coquette en fait partie, c'est 14 162 personnes de plus de 60 ans. 14 162 personnes. Ça, c'est la cible des plus de 60 ans. C'est 48% de clodoaldiens, puisqu'évidemment, la population clodoaldienne est la plus importante de toutes ces communes. Le CLIC Géricault est financé par le conseil départemental et par les villes. Pour les villes, c'est proportionnel au nombre d'administrés de plus de 60 ans. Tout au long de l'année 2023, il y a eu de nombreux changements au sein du CLIC Géricault, avec notamment une nouvelle directrice. Et je voudrais vous citer quelques chiffres qui vous montrent l'ampleur du travail qui est accompli par le CLIC Géricault. En 2023, sur les quatre communes, il y a eu 428 personnes aidées, 57% pour les clodoaldiens, 3175 entretiens, dont 123 évaluations à domicile. Les médecins généralistes, vous le savez, se déplacent quasiment plus à domicile, je crois même qu'ils ne le font plus, pour avoir de vraies évaluations d'une situation, pas nécessairement médicale, mais d'une situation globale d'une personne âgée, le CLIC est en capacité de se déplacer chez les gens. C'est quelque chose à connaître. Faites-vous-en l'écho autour de vous. Les dossiers, c'est la vie à domicile, les structures d'accueil, la prévention, l'offre de soins, le logement, l'accompagnement, l'accès aux droits. C'est tout ça, c'est les éléments qui sont donnés par le CLIC Géricault. Voilà. Et en plus de toutes ces actions d'information et de prise en charge, je ne vais pas rentrer dans le détail, le CLIC a mené des actions de prévention, des réunions partenariales, des ateliers équilibre, et un point sur lequel je reviendrai probablement dans une prochaine intervention, des groupes de parole pour les aidants. La ville de Saint-Cloud est en train de faire un gros travail sur le travail des aidants. Je vous en ferai la synthèse probablement lors de notre prochain conseil municipal. Et le CLIC Géricault a déjà lancé depuis quelque temps des groupes de parole pour tous ceux qui accompagnent, en l'espèce des personnes âgées, beaucoup, mais pas seulement, des groupes de parole pour les aidants, pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Voilà. Et enfin, le CLIC travaille avec l'ensemble des structures et professionnels présents sur toutes les villes, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les établissements d'hébergement, que ce soit les services sociaux comme le CCAS ou les services sociaux territoriaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gruber. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, hier s'est tenue la troisième journée pédagogique à destination de tout le personnel d'animation et de direction des accueils de loisirs avec le recours d'intervenants extérieurs. Le thème retenu était « Améliorer la vie du centre par des projets qui ont du sens ». Les accueils de loisirs étaient donc fermés hier afin de permettre cet investissement essentiel à la professionnalisation, à la cohésion des équipes d'animation de la ville. Je peux témoigner de la grande satisfaction exprimée par les équipes à l'issue de cette journée et nous avons déjà planifié la date de la prochaine journée pédagogique pour 2025. La dernière commission de restauration a eu lieu ce mardi avec des représentants de parents d'élèves, des agents du service éducation et les représentants pour la ville de la société Sogeres. L'objectif est de répondre au travers de ces réunions à toutes questions que se posent les parents au sujet de la restauration scolaire et de prendre connaissance de tout avis ou suggestion des parents. Le 2 avril se tiendra le prochain comité de la Caisse des écoles avec l'approbation du compte administratif 2023 et du budget primitif 2024. La fixation de différents tarifs d'activité au taux d'effort, l'approbation de conventions avec des prestataires d'ateliers sociaux éducatifs durant le temps périscolaire. J'en ai fini, Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup, Madame Dussartel. Alors, merci, Monsieur le maire. Excusez-moi. En ce qui concerne la voirie, il y a une excellente nouvelle. Les rénovations de l'éclairage avec le passage en LED est terminée pour un certain nombre de rues. La rue Pasteur, la place Magenta, la rue René Veil, le boulevard de la République et la promenade de l'Hippodrome. La porte jaune a commencé, sera terminée la semaine prochaine et ensuite on engagera la rue Gounod. Donc des économies merveilleuses vont être faites.
Des nouvelles places seront réservées pour nos taxis de la ville afin de pallier au chamboulement dû aux travaux de la ligne 15. Ils ne peuvent plus se mettre entre l'hôpital et la gare. L'objectif est de leur laisser des places de stationnement pour qu'ils puissent rester en attente tout en étant visibles et en dehors de la zone tendue des travaux. Donc on leur octroie 2 places rue Armengaud en haut de la gare, 2 places rue Pasteur et puis 3 Louis Loucheur parce que c'est pas, ils peuvent stationner et être en attente. Et la rue Loer et la place Clémenceau en bas restent inchangées les concernant pour le moment. Environnement. On constate beaucoup trop souvent un non-respect total des règles de collecte. Mauvais jour, mauvaises heures, mal conditionnés, des bacs qui ne sont jamais rentrés et qui restent en permanence sur le trottoir. Cela implique un travail supplémentaire pour les services, avec le déplacement à plusieurs reprises d'agents. Ensuite, on envoie une lettre, qui est d'ailleurs en copie avec la police municipale. Et si tout ne rentre pas dans l'ordre, en tout dernier lieu, et dans la mesure où il sera possible d'identifier la personne, la copropriété ou le commerce, nous verbaliserons s'il n'y a aucune amélioration en vue. Et pour finir, le composteur du quartier des Coteaux est bien lancé. Il y a 19 foyers inscrits avec une capacité totale de 40, donc il y a encore de la marge pour ceux qui veulent s'y inscrire. Une inauguration est prévue le mardi 14 mai en fin de journée. Oh là 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 là. Mais j'étais à une réunion Paul sur le sujet ce matin et plusieurs villes sont très intéressées pour venir voir comment ça se déroule. Je rappelle également qu'il est possible de réserver votre composteur. Donc là, ne vous gênez pas. Vous avez un petit papier sur votre bureau. Motivez vos copropriétés si vous habitez en copropriété, Monsieur Pujol par exemple. Lancez-vous dans votre jardin privé, n'hésitez pas. Il est possible de réserver en adressant un mail à espacepublic.saintcloud.fr ou en appelant la direction de l'environnement. Toutes les copropriétés, bailleurs sociaux et particuliers sont les bienvenues. Et vous avez donc votre document pour vous lancer dans l'affaire. Merci beaucoup, Madame Dussartel. Monsieur Berthet. Merci, Monsieur le maire. Donc, sur les anciens combattants, donc, mardi 19 mars, nous avons célébré au carré militaire la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, des combats de Tunisie et du Maroc. Alors je réponds à une petite question parce qu'on m'a posé déjà de m'en poser. Donc pourquoi le 19 mars ? Donc je vais vous donner l'information si vous ne la connaissez pas, tout le monde profite comme ça. Parce qu'en fait, c'est la date anniversaire de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, 19 mars 1962. Et en fait, la veille avait été signé les accords d'Évian qui réglaient en fait l'indépendance de l'Algérie. Comme ça, vous avez le séquencement de comment ça s'est passé. Sachant que le début de la guerre d'Algérie, c'était 1954. Voilà. Donc, merci aux élus qui étaient présents et nombreux, et merci aux services de la ville qui ont assuré la logistique. Merci beaucoup, Monsieur Berthet. Madame Askinazi. Merci, Monsieur le maire. Alors, le premier atelier du cycle 2024, se structurer, prospecter, croître, proposé par la ville de Saint-Cloud, la ville de Vaucresson, TPE 92 et Salvetera, s'est tenu le 6 février dernier. Une trentaine d'entrepreneurs réunis dans nos locaux à Saint-Cloud ont pu bénéficier d'un programme pour faire évoluer leur positionnement stratégique. Cet atelier leur a permis d'analyser leur situation et de mettre en place leur plan d'action avec des objectifs audacieux et une vision sur 3 ans. Les prochains rendez-vous de Saint-Cloud Entreprises, mardi 26 mars à 9h, il y a le second atelier, donc prospecter sans frein pour faire tomber les idées reçues et développer les moyens les plus adaptés à sa propre prospection. Et le jeudi 4 avril à 18h30, la 9e édition de l'Apéro Network à la Stampa, au 80 bis avenue du Maréchal Foch. Concernant le commerce, alors on va parler du marché des Avelines et je vais vous annoncer donc la grande ouverture, on peut l'annoncer, monsieur le maire, la grande ouverture du marché des Avelines donc, qui aura lieu le 20 avril. Donc c'est dans un mois, quasi jour pour jour. Donc je suis ravie de vous l'annoncer aujourd'hui. Actuellement, les commerçants sont en train de monter leur nouveau stand. Et en plus de la halle traditionnelle, vous retrouverez dans ce marché agrandi vos anciens commerçants,
mais également des nouveaux, comme un marchand d'olives de tapenade, un marchand de produits libanais, un boulanger, un poissonnier et bien d'autres. La grande nouveauté de cette halle est l'installation d'un food court ou d'une galerie marchande, d'une galerie gourmande, pardon, qui comportera 8 restaurants de spécialités différentes. On y trouvera par exemple une crêperie, un restaurant avec des spécialités marocaines, de la street food coréenne, un restaurant thaïlandais, un autre espagnol, etc. Autant de variétés pour vous faire voyager le temps d'un repas que vous pourrez déguster sur place dans un grand espace conçu comme une maison familiale. Le marché sera ouvert 3 jours par semaine, le mercredi, le vendredi après-midi et le samedi. Le food court, quant à lui, sera ouvert naturellement les jours de marché et du mardi au samedi pour le déjeuner et le vendredi toute la journée, donc avec la nocturne du vendredi. Un nouveau parking est également mis à disposition, donc de 160 places, et les clients bénéficieront d'une heure de stationnement gratuite le samedi matin jusqu'à midi. J'annonce également l'inauguration de la halle qui aura lieu le 4 mai. Tous les clodoaldiens sont invités à participer à cette grande fête et de nombreuses animations seront proposées autour de nos commerçants. Alors, à côté de ce marché, il y a la brasserie Sienne qui a ouvert également le 2 mars. Donc, Baptiste Renoir qui conserve d'ailleurs pour l'année 2024 son étoile au Michelin pour son premier restaurant Ocre. Ce n'est pas le cas à Saint-Cloud, mais on a quand même ce chef étoilé qui est installé à Saint-Cloud et qui a reçu un bon accueil de la part des clodoaldiens. Son carnet de réservation est plein pour les prochaines semaines. Concernant le deuxième commerce situé sur la place des Avelines, son ouverture a été reportée. Des négociations sont actuellement en cours pour une boulangerie-pâtisserie de qualité. Le bail devrait être signé dans les prochains jours et on espère une ouverture avant l'été. Un artiste, un commerçant, donc ma collègue Ségolène de l'Armina en a parlé. Donc 32 commerçants reçoivent nos artistes clodoaldiens pour cette première édition printanière. Cette opération met en lumière les artistes clodoaldiens, mais aussi les commerçants qui apprécient ces rencontres avec un autre public. Nous accueillons également une nouvelle galerie, une galerie d'art, ICAR, dans le quartier des Coteaux, à la place de la Société Générale, au 7 avenue de Longchamp. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et pardon à Monsieur Trémantin parce qu'en fait comme c'est Madame Couvreau d'habitude, pardon. C'est pas du tout. Monsieur Trémantin. Merci Monsieur le Maire. Dans le cadre de Saint-Cloud Cultivons le Sport, un programme important est prévu pour les 2 mois à venir. La soirée des sportifs qui va se dérouler demain le 22 mars au gymnase des Tourneroches va nous permettre de récompenser les sportifs de Saint-Cloud au travers de leurs associations. Le cross des écoles aura lieu le 28 mars au Jardin de l'Arbre. Il est ouvert au CM1 le matin et au CM2 l'après-midi, ce qui représente environ 500 enfants participants. Le 5 avril, à Nanterre, notre ville, accompagnée d'enfants, participera à la clôture du Top 92 que nous avions reçu en février. Les Olympiades interquartiers seront organisées le 27 avril après-midi au Jardin de l'Arbre. Elles permettront à des équipes de chaque quartier, composées de binômes, de se confronter sur différents ateliers sportifs. Enfin, dans le cadre de l'apprentissage d'activités sportives, nos agents territoriaux pourront s'essayer à l'escrime les 14 et 21 mai prochains au gymnase Saint-Exupéry, l'encadrement étant assuré gracieusement par l'UAS. D'autres événements sportifs sont également organisés. Un tournoi de football U9, organisé le 30 mars au stade Taconi. La manifestation annuelle Aquazen à la piscine se déroulera le 5 avril avec prévente des prestations à partir du 25 mars. L'opération annuelle Nager avec le cancer aura lieu le 28 avril. La recette de la matinée sera versée aux organismes de lutte contre le cancer. Le trophée de Saint-Cloud, du golfe de Saint-Cloud se déroulera sur le parcours du golfe de Saint-Cloud le 6 mai prochain. Des récompenses seront remises en mairie le soir même. Et enfin, la coupe Jigoro Kano de judo aura lieu le 26 mai au dojo de Gounod. Nous vous attendons nombreux à tous ces événements. Bravo. Attendez, je n'ai plus. Ah, c'est pas fini.
Les inscriptions aux écoles de sport de la rentrée ouvriront le 6 mai prochain avec la préparation des dossiers administratifs. Au niveau des mini-camps, nous avons enregistré 13 inscrits pour le mini-camp prévu du 8 au 12 avril qui se déroulera à la base de loisirs Boucle de Seine. Au niveau des stages de printemps, 40 enfants sont inscrits sur nos stages de printemps. Stage de golf du 15 au 19 avril, 24 inscrits, golf et multisport. Stage aquatique du 8 au 12 avril, 16 inscrits, piscine, water-polo, sauvetage à la personne et balade en bateau. Enfin, concernant les résultats sportifs, saluons les Mariannes qui, 92, qui terminent la saison à la deuxième place du championnat professionnel de volley et qui, de ce fait, participeront à un championnat européen la saison prochaine. Vivons le sport à Saint-Cloud. Merci beaucoup, M. Trémentin. Et puis, je crois que nos jeunes, surtout du club de volley, sont bien partis dans les phases de la Coupe de France. Mais on attend les résultats. Ouais. Mais c'est vraiment un très, très beau résultat pour le club de volley. Monsieur Portex. Oui, merci, Monsieur le maire. Comme l'a mentionné notre collègue Françoise Askenazy, le chantier des Avelines touche à sa fin. Et les dernières finitions des bâtiments et des espaces publics seront achevées dans les jours à venir. Et nous sommes tous impatients de voir ce lieu prendre vie. Et je souhaitais profiter de cette occasion pour remercier Madame Mons ainsi que l'ensemble des agents, des services techniques, mais aussi des marchés publics et des finances qui se sont beaucoup investis dans ce projet difficile et intense et qui ont permis à la fois de le faire aboutir et d'en faire un succès. Merci beaucoup. Et samedi, on visitait avec les Clodoaldiens, avec des Clodoaldiens, le marché et avec beaucoup de succès parce qu'on a été obligé de faire deux groupes. Et franchement, le retour des Clodoaldiens a été vraiment très, très satisfaisant. Donc l'endroit est vraiment merveilleux et on attend avec impatience maintenant le 20 avril. Samedi 20 avril, rendez-vous 7h30 du matin, dépôt de Minet, dans le marché. Voilà, avec les animations et feux d'artifice. Madame Doma. Je n'ai pas de communication, merci. Merci, monsieur Achard. Pas de communication. Madame Guézenec. Prenez votre temps. Je prends mon temps. Les seniors se sont rendus au Palais Bourbon pour une visite guidée de l'Assemblée nationale par notre député Pierre Cazeneuve. Plusieurs sorties nous ont emmenés à Fresnes pour découvrir l'écomusée du Grand Orly qui présente l'exposition « Cuisine et descendance » qui s'articule autour de la transmission des savoir-faire culinaires. Au château de Versailles pour visiter les appartements des filles de Louis XV, ainsi qu'une exposition sur le peintre Horace Vernet, qui retrace la carrière du peintre, commentée avec talent par Valérie Parent. À cette occasion, les salles d'Afrique étaient ouvertes au public. Enfin, à Rueil-Malmaison, à la découverte d'une centaine de maquettes réduites, des inventions innovantes imaginées à la Renaissance par le génial Léonard de Vinci. À Saint-Cloud, les seniors ont participé au tournoi olympique intergénérationnel organisé par l'École des sports avec les enfants du centre de loisirs Saint-Exupéry au stade des Coteaux. Initiation au volleyball assis, au golf, au tir à l'arc, à la boccia, etc. Toujours au centre Saint-Exupéry, une après-midi théâtre avec Corentin, avec une très belle interaction entre jeunes et moins jeunes. De nombreuses activités également à l'espace des Coteaux, de belles rencontres, mémoires de jardin, en collaboration avec Raphaël Bernard Bacco, qui ont donné lieu à un tournage vidéo qui sera présenté en mai prochain, à nous les Césars. Pour finir, nos méninges, ont été bien remués avec la gym cérébrale. N'oubliez pas les paroles et la dictée traditionnelle dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie sur le thème du sport, bien sûr. Toutes nos activités sont en ligne sur le site internet de la mairie. Et en ce qui concerne le quartier Fouilleuse, on a vu l'arrivée de 3 places de taxi boulevard Louis Loucheur et on se demande pourquoi. On l'a dit tout à l'heure, mais elle doit arriver. Si, j'ai écouté, mais c'est loin de la gare. Mais tout à fait. En fait, ça permet de se positionner sur la ville et d'attendre. Donc effectivement, comme on avait de la place, on en a pris 3, qui sont souvent libres, à cet endroit-là. Ils peuvent s'installer. C'était sur leur demande, cet emplacement-là.
Et les autres emplacements, il faut qu'on leur laisse un espace pour qu'ils puissent se poser et qu'ils soient visibles. Alors effectivement, Louis Le Cher, ils sont moins visibles que sur les autres emplacements, mais c'était leur demande, donc on pouvait leur donner facilement. Ça leur permet également de quitter la ville assez facilement par le pont de Sèvres et de ne pas se mettre dans le nœud, pont de Suresnes, pardon, et de ne pas se mettre dans le nœud de travaux que nous allons avoir dans le centre-village par le pont de Saint-Cloud. Je transmettrai. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié le tableau Claude Haldien pour l'exposition Horace Vernet. Vous savez qu'on a, vous l'avez vu, on a prêté, on est très fiers, notre musée a prêté un tableau à Versailles. Voilà. C'est quand même rare. Généralement, c'est plutôt dans l'autre sens. Donc là, nous avons un très beau tableau d'Horace Vernet qui a été prêté dans le cadre de l'exposition Horace Vernet qui se tient au château de Versailles. Monsieur Vaillereau. Merci, monsieur le maire. Donc, une petite communication sur nos murs. Comme on a pu le constater, la ville de Saint-Cloud a quelques petits problèmes avec ses murs en début d'année olympique. Donc le mur de Dailly, que tout le monde a pu voir un peu s'écrouler à cause des désordres importants concernant la circulation. Premier point, donc, il faut savoir que ce mur n'appartient pas à la ville, il appartient à l'État. Néanmoins, la ville a procédé à la mise en sécurité en urgence, opération qui a consisté à abattre le reste des éléments menaçants, arbres et une partie restante de ce mur, à déblayer, à étayer. Et puis, il a été mis en place une surveillance continue par géomètre, c'est-à-dire un système à base de théodolite qui réalise des mesures de triangulation et qui vérifie les déplacements éventuels de l'ouvrage restant, et ça au millimètre près. Et parallèlement, la ville a entrepris des procédures administratives de mise en ordre durable de cet ouvrage par son propriétaire, à savoir l'État. Ça veut dire qu'il y a eu phase contradictoire, arrêté de mise en sécurité, et si besoin, il y aura aussi astreinte de l'État, et aussi peut-être demande de remboursement des frais qui seront engagés si l'État ne fait rien, parce que nous le ferons à sa place. Deuxième point, il y a aussi un autre mur qui a quelques petits soucis, et cela très récemment. C'est le mur qui a été de la rue du Calvaire, au 39 rue du Calvaire à peu près, incident survenu récemment. Donc la ville aussi a procédé immédiatement à la mise en sécurité des éléments et pris l'arrêté de mise en sécurité, procédure urgente, avec une injonction pour les propriétaires, puisque ce mur n'appartient pas à la ville non plus, injonction de purge et d'étaiement sous 10 jours. Et pour compléter l'information, c'est concernant un peu ce sujet, il faut savoir aussi que nous avons lancé en fin d'année dernière un recensement de tous nos ouvrages d'art pour en améliorer le suivi et ainsi peut-être prévenir certaines dangerosités à venir. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Madame Mouton-Veillé. Merci, monsieur le maire. Je rappelle aux Clodoaldiens que notre traditionnelle brocante tout au coteau se tiendra ce samedi 23 mars, dans le quartier des Coteaux, bien sûr, et ce, pour son 31e anniversaire. Venez très nombreux. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. On espère, on va faire la danse du soleil, hein, parce ouais. Qu'on espère que... Ça... Généralement, on est chanceux chaque année, mais là, bon, il y a quelques errements sur la météo pour samedi. Mais on sera là. Madame Sagroun, pardon. Merci, monsieur le maire. Les 4 et 5 mars, 600 jeunes collégiens et lycéens ont été sensibilisés sur le thème « Prévenir et lutter contre le harcèlement et les violences en milieu scolaire » par le biais de séances de théâtre forum. Cette initiative du Conseil des jeunes a été complimentée par l'ensemble des collèges et lycées de Saint-Cloud. En complément, une conférence réservée aux adultes a attiré une quarantaine de personnes. Je tenais particulièrement à remercier à cette occasion Monsieur le maire pour sa présence à l'introduction malgré un match de football, ainsi que M. Gérald Autier de la Page. Les 13 et 15 mars se sont déroulées les demi-finales du concours d'éloquence organisé par le Lions Club en partenariat avec les villes de Saint-Cloud, Garches et Vaucresson. 24 jeunes clodoaldiens ont dépassé leur peur en montant sur scène pour défendre leur point de vue autour des thèmes suivants. L'argent fait-il le bonheur ou le bonheur est dans le pré ? 6 d'entre eux ont été sélectionnés pour participer à la finale qui aura lieu le 27 avril à Garches. Merci à Diane Michoudet et Capucine Dussartel d'avoir accepté d'être membre du jury avec moi pour représenter la ville de Saint-Cloud.
Le 16 mars, les portes ouvertes du Collège Vérarenne ont été un véritable succès. Un très grand nombre de parents et futurs collégiens sont venus découvrir l'établissement. J'ai pu, lors de mon passage, voir un principal accueillant les parents, des enseignants motivés et engagés, des élèves ambassadeurs fiers de faire visiter leur collège, des fédérations de parents d'élèves mobilisées pour cet événement et la passerelle à l'entrée pour proposer leurs services. Bravo à tous pour cette matinée très réussie. Ce mois de mars est décidément riche en événements. Le Conseil des jeunes clôture une collecte d'objets afin de les vendre sur leur stand lors de la brocante de Tout au Coteau du 23 mars. La somme récoltée sera remise à une junior association et ensuite redistribuée à une œuvre caritative. Rappelons que le Conseil des jeunes a acheté pour plus de 600 euros de denrées qu'ils ont remis au Resto du Cœur de Saint-Cloud grâce à leur présence aux deux précédentes brocantes clodoaldiennes. Encore plus important, ils ont participé personnellement à la distribution des produits achetés, une expérience qui remet les pieds sur terre. Enfin, nous allons prochainement lancer la campagne de renouvellement du Conseil des jeunes. Vous pouvez candidater à tout moment et tout au long de l'année en adressant une lettre de motivation à Monsieur le maire. On vous attend nombreux. Merci, Monsieur le maire. Merci et bravo pour tous ces programmes qui sont fabuleux. Merci beaucoup. Madame Rochin. Pas de communication, Monsieur le maire. Madame Michoudet. Les Olympiades interquartiers se tiendront le samedi 27 avril au Jardin de l'Avre. Les épreuves se dérouleront en famille et sans préinscription. Nous vous attendons nombreux pour défendre votre quartier et remporter la coupe. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur Pujol. Monsieur Reynaud. Monsieur Bossert. Monsieur Vartel. Madame Potier. Pas encore. Bien, mes chers collègues, nous en avons terminé avec les communications. Alors, il nous faut désigner, comme à chaque fois, un secrétaire de séance. Alors, nous avons recensé le plus jeune parmi nous. Je pense que c'est Arnaud Bossert, voilà, que je vous propose d'élire pour être secrétaire de séance. Pas d'objection, pas d'abstention, pas d'avis contraire, unanimité. Bravo. Voilà, alors... Suite donc à la venue de notre collègue Annie Potier, il nous faut remplacer Laurent Monjol et donc nous vous proposons, Monsieur Monjol a assisté à la commission des finances et nous vous proposons de le remplacer par Madame Annie Potier. Et si vous en êtes d'accord, nous vous proposons de procéder à un vote à main levée et pas de faire de bulletin secret pour une opération interne en fait d'organisation liée au départ et à l'arrivée d'un nouveau collègue du conseil municipal. Donc, il n'y a pas d'objection à ce qu'on puisse voter publiquement. Donc, est-ce qu'il y a des votes contraires? Vous prenez part au vote? Vous ne prenez pas part au vote? Oui, 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 pour Mme Potier. Et vous, vous prenez part au vote? Donc, pas d'abstention et unanimité. Voilà. Bravo, Madame. Premier vote unanime. Alors, pour le syndicat mixte Autolib, Monsieur Monjol, donc, pareil, était membre, et donc, il est le suppléant de Madame Dussartel. Et donc, nous vous proposons, je crois, Madame Pinault, c'est ça? C'est ça, Madame Pinault, qui a la compétence développement durable et qui est assez adaptée à cette compétence Autolib et Vélib Métropole. On peut voter pareil à main levée, ça ne pose pas d'objection majeure. Pas d'objection. Donc, pour la candidature de Mme Pinault, en remplacement de M. Monjol comme suppléant, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Oui. Ne prend pas part au vote M. Montet et M. Brunjvic. Et donc, est-ce que vous prenez. Non, vous ne prenez pas part au vote? Si. Donc, unanimité et deux ne prennent pas part au vote. Voilà. Alors, il nous fallait aussi modifier la commission des finances, que vous savez que M. Climot, la commission d'appel d'offres, parce que M. Climot avait déjà quitté ses fonctions, Monsieur Monjol, et donc nous vous proposons la liste. Alors évidemment, on sait, puisque c'est normalement paritaire, donc nous avons
pris contact avec M. Brunjvic et M. Bosch pour valider cette option. Nous vous proposons donc de renouveler partiellement la commission d'appel d'offres, mais du coup de le faire complètement, en maintenant un certain nombre de candidats qui étaient déjà là, c'est-à-dire en titulaire Mme Delarmina, M. Berthet, M. Portex et donc Mme Michoudet qui viendra en titulaire et Mme Grévelin qui est déjà titulaire. Et pour les suppléants, M. Pearson, Mme Potier, Mme Pinault, M. Pujol et Mme Potier. Alors du coup, il y a Mme Potier, il y a Annie Potier, il faut qu'on précise maintenant, l'orthographe n'est pas la même, mais à l'oral, ça ne s'entend pas. Donc il y aura donc Mme Annie Potier et Mme Delphine Potier, qui elle était déjà suppléante de la commission d'appel d'offres. C'est bon pour tout le monde ? Parce qu'en fait... c'était dans l'ordre du jour au début dans l'installation, mais en fait, les textes ont changé, il n'y a plus besoin de voter pour ça. Donc, c'est une information au Conseil et ça permet de... Mais normalement, je pense que Damien Richard a dû vous contacter là-dessus, non ? Oui. On a dit qu'on était d'accord, enfin, il n'y a pas de problème, mais je... Oui, avant, c'était une délibe, vous aviez raison. Mais maintenant, c'est... L'ordre du jour. Voilà, maintenant, c'est... En fait, on présente la liste au Conseil municipal pour information. Et il n'y a plus besoin de délibérer. Je ne me demandais pas pourquoi, c'est les nouvelles. On a vu ça de très près pour éviter tout souci juridique, bien évidemment. Mais donc, c'est une information et... Mais une précision, quand on installe une commission d'appel d'offres ou toute autre commission... Ben oui, là, on fait une élection. Oui. Quand on fait une élection... Oui, en début de mandat. Et qui est inscrite à l'ordre du jour... Bien sûr, bien sûr. Il y a un certain formalisme. Oui, bien sûr. Et d'accord. Et là, c'est pas le cas parce que. Ben non, parce qu'en fait, si vous voulez, la loi est claire, c'est-à-dire que elle dit que il faudrait qu'on reprocède à l'intégralité de l'élection de la commission d'appel d'offres si la pluralité était mise en danger. Or là, Madame Grévelin, qu'elle est membre de la commission d'appel d'offres, et de toute façon, si on faisait un scrutin compte tenu des forces en présence, ça serait un seul membre de l'opposition. Et donc là, la pluralité n'était pas mise en danger puisque Madame Grévelin n'a pas démissionné, Madame Potier aussi souhaitait rester suppléante. C'est simplement dans la majorité où nous avons, suite au départ de M. Climot et de M. Monjol, à renouveler les membres. Et donc ça, dans ces circonstances-là, effectivement, on peut le faire comme ça, par information du Conseil. Si, en revanche, Mme Grévelin souhaitait démissionner, à ce moment-là, comme ça met en difficulté la pluralité, il faudrait revoter l'intégralité de la commission d'appel d'offres, de façon formelle. Voilà. Alors, délibération numéro 22, avis sur le compte de gestion, M. Portex. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez bien maintenant, puisque nous avons cette délibération tous les ans, la comptabilité publique est tenue de manière distincte par l'ordonnateur, soit le maire, et par le comptable public. Et l'objet de cette délibération est de donner un avis favorable à l'adoption du compte de gestion, qui est donc tenu par le comptable public. Et pour ça, nous nous appuyons sur le tableau qui donne les résultats du compte de gestion, qui sont donc les mêmes que ceux que nous verrons tout à l'heure dans le compte administratif. C'est mieux. et donc le résultat de la clôture 2023 du compte de gestion, c'est 5 984 424,95 €. Alors attention à ce résultat, le compte de gestion, lui, ne prend pas en compte les reports. Et donc il faudra le comparer tout à l'heure dans le compte administratif au résultat cumulé et pas au résultat net. Voilà. Et donc, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir donner un avis favorable à l'adoption du compte de gestion. Monsieur le rapporteur de la commission des travaux, nous étions les deux commissions réunies, mais monsieur le rapporteur de la commission des travaux. Avis favorable, monsieur le maire. Et monsieur le rapporteur de la commission des finances. Avis favorable, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte de gestion ? Pas de questions. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Délibération numéro 23, il nous faut élire un président de séance pour l'examen et le vote du compte administratif. Je vous propose notre collègue, première adjointe, Ségolène Delarmina. Pas d'objection, pas d'avis contraire, pas d'abstention, unanimité formidable. Madame Delarmina, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la délibération numéro 24, approbation du compte administratif 2023. Et je donne la parole à Nicolas Portex. Oui, merci, Madame la Présidente, du coup. Donc, je vais vous présenter brièvement les grandes lignes du rapport de présentation du compte administratif que nous avons vu lundi et que vous avez tous étudié en détail.
Alors d'abord, les grands chiffres du résultat, donc que vous avez à la page 2, où on retrouve du coup le résultat cumulé tout à l'heure du compte de gestion. Et par contre, pour le compte administratif, on a aussi les restes à réaliser 2003, et ce qui donne donc les résultats nets suivants. Fonctionnement, donc 2003, c'est 8 154 229 euros et 27 centimes. Et donc ça ne prend pas en compte le virement à l'investissement que l'on retire dans le compte administratif. À l'investissement, nous avons moins 4 509 000 euros 237 et 80 centimes, et ce qui fait donc un total résultat net 2023 pour le compte administratif de 3 644 991 et 47 centimes. Alors vous avez une comparaison avec les années précédentes où ça fluctue un peu, mais on est toujours un petit peu dans les mêmes chiffres, enfin dans les mêmes ordres de grandeur. Alors les grands faits marquants de cette année 2023, je vais vous commenter les plus notables. Il y a d'abord dans les recettes, il y avait les dépenses de fonctionnement, le FCCT, où par rapport à ce que nous avions inscrit et prévu, le pacte financier entre les différentes communes de notre territoire a été rediscuté et était particulièrement favorable en 2023 à notre ville. Et donc nous avons eu un FCCT à un peu moins de 6,9 millions. Et rappelons que le FCCT prévu par la réglementation, le FCCT socle, est à un peu moins de 10,5 millions d'euros. Donc le FCCT réel, du coup, que nous payons, est bien inférieur grâce à ce pacte financier entre les différentes communes de Polde, qui est donc bien favorable à la ville. Dans les autres grands chiffres remarquables de ce compte administratif, on retrouve, et malheureusement un peu comme tous les ans, la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement que nous verse l'État en échange des différentes compétences transférées il y a déjà quelques dizaines d'années, et donc qui se réduit encore un peu comme malheureusement tous les ans depuis un petit moment. Vous avez le tableau que je vous remets tous les ans. En un peu plus de 10 ans, la DGF a été divisée par 10. Cette année, elle était de un peu plus de 560 000 euros, donc elle était à plus de 5 millions il y a une dizaine d'années. Et par rapport à 2022, en baisse à nouveau d'un peu plus de 50 000 euros et donc d'un peu plus de 8% de baisse. Dans un contexte inflationniste, ça continue à baisser et c'est toujours moins d'argent à travers cette dotation que l'État donne à la ville pour la compenser des différents services transférés. Les services transférés, évidemment, eux, ne baissent pas du tout et augmentent même. Il est aussi bon de rappeler qu'en 2022, suite à des baisses assez fortes qui avaient eu lieu avant, le président de la République, lui, s'était engagé à une stabilité de ses dotations. En 2022, notre DGF était d'un peu plus de 2 millions. Et donc, pour rappel, en 2023, 560 000. C'est donc une division par presque 4, qui est une forme de stabilité qu'on a un petit peu de mal à imaginer. Voilà. Sur d'autres chiffres qui sont un peu difficiles dans notre budget, ce sont les péréquations qu'on retrouve aussi tous les ans, qui sont toujours, encore et toujours, à des niveaux extrêmement élevés. Donc nous avons un total des deux péréquations, le FSRIF et le FPIC, pour l'année 2023, à un peu moins de 7,1 millions d'euros. Alors c'est en très légère baisse de 1%. C'est toujours une légère baisse. Maintenant, on est en fait en réalité sur un grand plateau depuis plusieurs années. La DGF, elle a été divisée par 2. Les péréquations, qui est une dépense, a été divisée par 10 en une dizaine d'années. Les péréquations, qui est une dépense, elles ont été multipliées par 10 en une dizaine d'années. Un peu plus de 7 millions d'euros dans notre budget, c'est quelque chose de colossal. Et depuis 4-5 ans, on est sur une sorte de grand plateau autour de cette somme-là. Une petite remarque aussi, et on vous l'a mis dans le document cette année aussi, vous avez les dates de notification de ces différentes péréquations, et vous voyez par exemple typiquement que le FPIC a été notifié à la ville le 24 octobre de l'année 2023, et il s'agit d'une dépense pour l'année 2023 que nous sommes censés prendre en compte dans notre budget. Elle nous les a notifiés le 24 octobre pour plus de 4 millions d'euros, une somme colossale. Voilà, tout ça est évidemment très compliqué et montre que les communes ne sont même pas très bien respecté un peu dans tous ces mécanismes. C'est évidemment, rien de ça n'est discutable. Nous sommes notifiés et tout ça est ponctionné sur notre budget. Ensuite, dans les autres grands éléments remarquables en 2023 et au registre des mauvaises nouvelles, il y a les droits de mutation qui ont très fortement baissé et qui, pour 2023, se sont élevés à un peu plus de 2,6 millions d'euros.
ce qui est un record bas, en baisse de plus de 36% par rapport à 2022. On avait eu quelques années avec des bons niveaux. L'année dernière, le marché immobilier s'est bloqué, pas qu'un Saint-Cloud, hein, au niveau national. L'immobilier connaît une très grave crise et donc les transactions se sont arrêtées, se sont figées. Il y en a beaucoup moins qu'avant et ça impacte évidemment très fortement les droits de mutation avec une année du coup très difficile. Autre point remarquable dans les recettes de fonctionnement et qui impacte beaucoup ce compte administratif, c'est la somme que Indigo nous a versée pour la mise en service du parking des Avelines, qui est en une fois, donc c'est un peu plus de 3,9 millions d'euros, voilà, qui servit d'ailleurs à financer le projet. Et cette somme a été versée en 2023, fin 2023. Et c'est en une fois pour ensuite la durée de la délégation, parce qu'il s'agit d'une DSP. Et donc nous ne retrouverons évidemment malheureusement pas cette somme dans les années suivantes, mais c'est une somme qui a abondé notre budget de fonctionnement 2023. Dans les dépenses de fonctionnement, il y a le FCCT dont j'ai parlé, il y a les dépenses de personnel, on va voir, qui ont été un peu inférieures à ce que nous avions inscrit. Et puis il y a les charges à caractère général qui ont augmenté par rapport à 2022, par contre, assez fortement, et ça, c'était attendu, malheureusement, avec les très fortes hausses de l'énergie en particulier, mais l'inflation globalement, mais l'énergie en particulier. Et donc, ces charges à caractère général ont beaucoup augmenté en raison en particulier de l'augmentation des prix de l'énergie. Alors, je vous propose de regarder maintenant plus en détail les recettes de fonctionnement. Vous les avez à la page 5. Et je vais parler en particulier, alors je vous ai mentionné les droits de mutation qui ont beaucoup impacté du coup la différence entre inscription et réalisation, même si nous avions OBS un petit peu corrigé en voyant au cours de l'année les mauvais chiffres qui arrivaient. Intéressant aussi de noter que nous avons eu un volume important de subventions cette année 2023 et le département typiquement à travers le contrat de développement nous soutient beaucoup en fonctionnement aussi pour un montant de 487 000 euros. Et puis, vous retrouvez le reversement par Indigo du ticket d'entrée du parking des Avelines dans les produits de gestion courante à 3 900 000 euros. Sur les dépenses de fonctionnement, alors là, il est important de noter, et ça, c'est un peu dans le formalisme d'un compte administratif, qu'on retire dans les réalisations le virement à l'investissement, ce qui crée donc un écart important entre réalisation et inscription, mais qui est un écart artificiel, puisque factuellement, tout à l'heure, on affectera à l'investissement la somme correspondante. Mais on voit que, du coup, dans le petit tableau que vous avez à la page 7, en réalisation, virement à l'investissement, il n'y a rien, ce qui crée du coup un écart important entre inscription et réalisation. Alors, sur les différents montants de ce tableau, il y a dans les charges à caractère général ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire de l'augmentation importante du prix de l'énergie. Alors, on a eu plutôt, du coup, des coûts qui étaient inférieurs à ce que nous avions inscrit et ce que nous avions prévu. Nous avions prévu, notamment, en particulier sur le gaz, une augmentation entre 3,7 fois et 5 fois du prix de l'année 2022, ce qui étaient les chiffres qui nous avaient été annoncés pour l'année 2023. En réalité, l'écart observé n'a été que 2,5. Alors, on peut s'en réjouir, même si ça a fait une augmentation extrêmement conséquente. Et cet écart un peu moins important que prévu s'explique à la fois, s'explique en fait par des estimations qui étaient peut-être un peu trop pessimistes, mais bon, même si on a entendu à droite à gauche qu'il y avait vraiment des augmentations qui étaient de ces niveaux-là, mais aussi par un plan de sobriété qui a été mis en place dans l'ensemble de nos bâtiments et qui a permis de modérer un peu la consommation d'énergie et de fluide dans nos différents bâtiments publics. Sur les dépenses de personnel, alors comme je l'ai mentionné, on a un montant finalement réalisé un peu inférieur à celui qui était projeté. Ça s'explique par les difficultés persistantes de recrutement que nous rencontrons. À la fois, alors ça s'améliore dans certains secteurs, et je pense en particulier à la police municipale, pour laquelle nous avons traversé un certain nombre d'années difficiles et où là nous avons une nette amélioration. Sur d'autres secteurs, ça reste très difficile. Il y a des nouveaux secteurs sur lesquels la situation est compliquée, en particulier notamment dans les ressources humaines et les services techniques. Sur les autres charges de gestion courante, on retrouve le FCCT dont nous avons parlé et sur lequel, du coup, nous avons en réalisation un montant qui est très favorable à la ville en raison du pacte financier entre les villes de Polde. À noter aussi, sur les charges financières, une somme qui est
conforme aux prévisions, mais qui est plus élevé que l'année précédente. Et là, ça s'explique par la hausse des taux qui nous impacte, du coup, évidemment aussi. Les taux ont explosé, en fait, entre 2022 et 2023. Et ça, évidemment, ça a un impact sur les remboursements de nos crédits. Sur l'investissement, je vous propose du coup de regarder le tableau des recettes d'investissement à la page 9. Alors là, à noter, dans les autres immobilisations financières, vous avez en réalisation une somme de 2,5 millions. Il s'agit de la dernière tranche du paiement de la vente du bail emphytéotique de l'immeuble qui se trouve au-dessus du marché à Immobilière 3F. C'était un accord qui prévoyait des versements en plusieurs fois. Et donc là, c'est la dernière tranche du coup qui nous a été réglée. Et donc cette affaire-là est maintenant complètement terminée. Et très remarquable, sur l'année 2023, vous avez à la page 9, au bas de la page 9 et surtout la page 10, les différentes subventions d'équipement que nous avons touchées pour un montant supérieur à 5,2 millions de la part de l'État, de la région, du département, de la MGP, de Pold et de diverses autres agences. Sur une année comme l'année 2023 où nous avons beaucoup investi dans nos projets, nous avons aussi de manière systématique en fait, fait des dossiers et recherché des subventions. Et ces démarches-là portent leurs fruits. On a été extrêmement actifs pour y arriver. Et donc, c'est une somme très importante du coup de subvention qui a pu être obtenue auprès de ces différents organismes. L'organisme qui nous subventionne le plus étant le département à presque 3,3 millions d'euros, notamment à travers le contrat de développement pour lequel il nous soutient. Mais il y a aussi, comme je vous disais, l'État, la région, la MGP, Pold et d'autres organismes. Sur l'emprunt, donc nous avons remboursé en 2023, alors nous avons emprunté en 2023 la somme de 7 millions d'euros et nous avons remboursé 4,65, et donc ça fait un solde de 2,4 millions d'euros. Vous avez à la page 10 les détails des emprunts qui ont été mobilisés avec les taux, et comme vous pouvez le voir, il y avait un emprunt qu'on avait contracté l'année d'avant qui était encore à un taux extrêmement favorable de 0,65%, taux fixe. Nous avons emprunté cette année plutôt entre 3,33 et 3,68 du coup en 2023, qui seront les taux actuels, par contre entièrement à taux fixe. Sur les dépenses d'investissement, donc là c'est une année 2023 pendant laquelle nous avons un montant de dépenses d'investissement très élevé, puisque c'est une année importante d'investissement pour finaliser nos grands projets, en particulier le site des Avelines et la réhabilitation des Trois Pierrots. Et comme vous pouvez le voir à la page 11, il y a un taux de réalisation du coup très important cette année, un peu supérieur à 90% même sur ce qui avait été prévu sur ces différents projets. Et donc une année très active où il y a eu beaucoup, beaucoup de réalisations. Alors les écarts qui sont notables, alors une information aussi, nous avons en 2023 subventionné pour 230 000 euros au titre des subventions des logements sociaux. Donc ce sont des subventions qui sont passées d'ailleurs, où il y a eu des délibérations, vous les avez vues passer au conseil municipal. Et dans les écarts aussi, il y a, et qui était passé aussi dans une délibération, l'achat d'un local du côté de Fouilleuse, pour lequel nous avons délibéré, mais qui n'a pas encore été réalisé, et donc qui pour l'instant n'a pas... dans le budget qui contribue aux écarts puisqu'il sera reporté sur 2024. Sur les différents travaux et la section immobilisation en cours travaux à la page 12, vous avez le détail des différents travaux qui ont été réalisés. Vous avez, pour en lister quelques-uns, l'éclairage public dont nous avons parlé tout à l'heure, la requalification de la rue des Gatseps, les travaux d'aménagement rue Caroline, rue des Villarmins, des aménagements d'espaces verts, les travaux sur l'escalator Coutureau, aménagement des squares, des travaux de désimperméabilisation de la cour de l'école Montretout, sur les bâtiments également, de nombreux travaux, rénovation dans les écoles, travaux dans les gymnases, étanchéité de la toiture terrasse de la piscine, dans les établissements de petite enfance également, avec l'aménagement de la passerelle du parc notamment, les travaux sur les logements rue Feudon, sur l'aménagement des locaux de la direction informatique dans la mairie, et puis nos grands projets, le projet des Avelines, avec une dépense totale de 7,2 millions d'euros en 2023, les Trois Pierrots, avec des dépenses, là c'est un peu plus de 1,5 million d'euros sur l'année 2023, et puis le début, les études en fait pour le projet de restauration de la toiture de Saint-Claude-aux-Halles, et aussi le déploiement de la vidéoprotection qui a été réalisé aussi en très très grande partie en 2023, avec un peu plus de 1,1 million d'euros dépensés sur ce projet.
Petite bizarrerie comme tous les ans, nous reversons au titre des amendes de police, qui est un dispositif un peu particulier. Ce sont des amendes de police qui... Alors, je ne vais pas me relancer dans toute l'explication de cette bizarrerie. Nous l'avons malheureusement tous les ans, mais nous sommes pénalisés dans notre budget pour un montant cette année de 354 000 euros que nous allons reverser du coup et qui abonderont les budgets de la région et de Île-de-France Mobilité. Et la raison profonde de ça, c'est que il n'y a pas eu assez d'amendes de police données sur le territoire de Saint-Cloud. Et la région et Île-de-France Mobilité touchaient une partie des amendes de police. Ce seuil a été figé en 2017. Et quand ce seuil n'est pas atteint, c'est la commune qui paye la différence. Et donc c'est en budget d'investissement 354 000 euros que nous avons payé l'année dernière à ce titre-là. Chacun appréciera la pertinence et la logique de ce dispositif. Sur la dette... Alors, nous avons au 31 décembre une dette qui est de 35 034 770 euros, ce qui représente 1163 euros par habitant. C'est une centaine d'euros de moins que la moyenne des Hauts-de-Seine. C'est en cours. Alors, il a augmenté, comme je vous le disais, en 2023, et ce qui était attendu, ce qui était préparé, il a augmenté de 2,4 millions d'euros. Pour mémoire, en fait, il y a un peu avant le démarrage de nos grands projets, nous avions fait baisser un peu l'encours de dette, justement pour préparer le budget de la ville à la réalisation de ces grands projets. Et depuis le début de ces phases de réalisation, cet encours a à nouveau un peu augmenté. Et là, nous sommes arrivés au pic de la réalisation de ces grands projets, puisque l'année 2023 était la grande année pendant laquelle nous avons massivement investi. Et donc là, nous sommes arrivés à ce montant-là qui reste tout à fait raisonnable et maîtrisé. Et donc, d'ailleurs, nous avons calculé, le maire en parlait tout à l'heure, le ratio qui s'appelle le délai de désendettement, et donc qui cette année, calculé sur ce compte administratif, est un délai de 4 ans. Voilà. Pour terminer, d'ailleurs, ça fait l'objet d'une délibération tout à l'heure, mais je vais vous les lister maintenant. Le bilan des acquisitions et des cessions foncières pour cette année 2023, c'était une année relativement... pauvres en acquisition et en cession foncière. Nous étions effectivement beaucoup plus concentrés sur nos grands projets. Et puis, il y avait ce projet d'acquisition qui ne s'est pas réalisé. Donc, en acquisition, le montant est relativement modeste par rapport à d'autres années. Un peu moins. Alors, c'est 479 550 euros avec des emplacements dans les bureaux de la colline, des emplacements de stationnement que nous achetons pour l'Institut Curie et que nous lui revendons. Donc, nous en avons acheté 24. Il s'agit des derniers, en fait, que nous achetons pour eux, puisque maintenant, ils ont le nombre qu'ils s'étaient engagés à acquérir. Et donc, nous les avons acquis et revendus, l'opération étant financièrement neutre pour la ville. Nous avons acheté également, dans le cadre des projets des chambres de service, 3 chambres de service rue du Mont-Valérien. Et donc, le montant total, comme je vous disais, c'est un peu moins de 480 000 euros. Pour les cessions, nous avons cédé ces 24 emplacements de parking dont je viens de vous parler. Nous avons cédé également une bande de terrain rue du Calvaire pour l'euro symbolique au département, et nous avons cédé un petit immeuble rue de la Porte Jaune pour lequel nous avons déjà délibéré. Nous l'avons cédé à Habitat Hauts-de-Seine pour un montant d'un peu plus d'1,5 million, et c'est également une opération neutre financièrement pour la ville. Merci Monsieur Portex pour cette présentation très claire. Monsieur le rapporteur de la commission des travaux. Avis favorable. Et Monsieur le rapporteur de la commission des finances. Alors, la commission des finances a émis un avis favorable à l'unanimité. Monsieur Montet s'abstenant. Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Brajvic. Oui, bonsoir. Déjà, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu être là lundi dernier pour la commission des finances. Et c'est là que j'aurais dû poser les questions que je vais vous poser ce soir. Donc, désolé, c'est la session de rattrapage. Première remarque liminaire, je m'étonne quand même que chaque année, il y ait un tel décalage, qui sans doute s'explique, mais entre le budget prévisionnel et les comptes administratifs. Chaque fois, 2, 3, 4 millions d'écart, c'est assez conséquent. Après, bon, j'essaye de suivre, j'essaye de comprendre. Peut-être que je suis limité intellectuellement ou sur le déclin en raison de mon grand âge, mais les deux. Mais là, j'ai pas trouvé ça hyper clair, Nicolas. Pardonne-moi.
alors que ça l'est toujours d'habitude. Mais quand je reprends les faits marquants de l'année 2023 qui pourraient expliquer l'excédent de plus de 3 millions d'euros, je ne m'y retrouve pas. C'est-à-dire que, ok, j'ai bien vu que dans les charges de personnel, 880 000 euros parce qu'on n'a pas réussi à recruter à hauteur de ce que l'on aurait dû faire. Mais sur le FCCT, par exemple, il nous a été versé 6 896 000, mais on avait prévu combien, par exemple? Parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de delta, mais j'arrive pas à voir la différence entre ce qui nous a été effectivement versé et ce que nous avions prévu qu'il nous serait versé, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Moi, le seul truc que j'ai identifié, parce que voilà, il y a des trucs qui sont à la hausse, d'autres à la baisse, etc. Le truc le plus notable que j'ai identifié, c'est sur la section de fonctionnement, le fait que on ait un résultat excédentaire de 5 millions d'euros, mais en raison d'un élément exceptionnel qui est le droit d'entrée pour le parking des Avelines. Mais dans ce cas, pourquoi cet élément exceptionnel n'est-il pas inscrit dans les faits marquants? En fait, voilà, et moi, je n'arrive pas à voir ce qui est vraiment marquant dans les faits marquants. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, enfin nous expliquer, de façon très synthétique, les principaux écarts, quoi? Là, je n'ai pas compris, pardon. Alors, le versement Indigo mériterait probablement d'être dans les faits marquants, mais il était parfaitement connu à l'euro près, mais c'est effectivement, en tout cas, c'est un fait exceptionnel pour l'année 2023, et donc il aurait pu avoir sa place en recette de fonctionnement dans les faits marquants, clairement. Mais il était dans le... Il était dans le BP, donc il était prévu. Donc c'est pas... Voilà, c'est exceptionnel. Après, marquant, bon. Mais enfin, c'est quand même un élément important de ce compte administratif. Mais on l'avait prévu. Oui. Après, sur les décalages, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont notées, et les écarts sont à chaque fois notés. Mais effectivement, il y a le FCCT. Alors, de mémoire, c'était plus de 8 millions qu'on avait mis. Donc ça fait quand même effectivement un écart conséquent. Sur l'énergie, il y a un écart assez conséquent aussi, en particulier sur le gaz, puisque nous avions estimé que ce serait bien supérieur à ce que ça a été. Alors, bien supérieur, ça a beaucoup, beaucoup augmenté, mais nous pensions que ça augmenterait plus. Et donc, on avait inscrit dans le budget plus que ce qu'il a finalement été réalisé. Et puis, aussi sur les dépenses de personnel, on avait mis plus. Alors, je reviens quand même sur le point qui est, c'est toujours plus, mais la loi nous impose que ce soit excédentaire. On n'a pas le droit d'être en déficit. Donc, il y a des principes de prudence et sincérité qui font que quand on fait un BP, si on pense que ça va être 100, mais qu'on n'est pas sûr, ben, on va peut-être mettre 103. Parce que si finalement c'est 103, ça va poser un gros souci. Voilà. On ne peut pas engager des sommes qui ne sont pas inscrites au BP. Donc typiquement sur les dépenses de personnel, par exemple, il faut pas se planter. Alors après, on peut faire des DM pendant l'année, mais il faut pas se planter, parce que si on n'a pas inscrit au budget les sommes qui vont bien, au moment où on doit payer les salaires, ben, on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. Donc on prudence et sincérité, au moment du BP, c'est toujours un petit peu surestimé. Alors surestimé, en tout cas, annoncer un chiffre qui limite les risques de se retrouver en défaut pendant l'exécution. Voilà. Donc c'est normal que le budget à la fin soit excédentaire. Après, il pourrait l'être de 100 000 euros éventuellement si on a quelque chose d'extrêmement précis, mais il y a beaucoup de chiffres là-dedans qui sont extrêmement difficiles à prévoir. On n'a pas beaucoup fait de DM au cours de l'année parce que finalement ils n'étaient pas si mal. Bon, et puis on savait que du coup, alors typiquement par exemple le gaz, c'est des choses qui s'estiment. Les factures arrivent tous les deux mois avec des estimés, avec des choses comme ça. Donc, c'est uniquement à la fin de l'année qu'on est vraiment sûr que ce sera les montants qui sont sur les factures. En cours d'année, c'est très difficile de projeter une situation. Puis si l'hiver, par exemple, est finalement vachement plus rigoureux que ce qu'on pensait ou que l'année d'avant, on peut se retrouver avec des mauvaises surprises. Si on ramène au budget, au montant total, l'écart, il est important, mais il n'est pas non plus complètement excessif. Et en particulier dans une année où on a eu ces 4 millions, 3,9 millions de recettes exceptionnelles. Merci Nicolas. Donc si je comprends bien, les éléments vraiment, enfin les faits marquants, et je ne parle pas des éléments exceptionnels comme le versement du solde Indigo, puisque ça on l'avait prévu, mais en gros, meilleure, bonne surprise sur le FCCT de 1,5 million à 2 millions d'euros par rapport à ce qu'on avait prévu.
Les fluides, notamment le gaz, on a prévu que ça augmenterait davantage et finalement ça a moins augmenté que ce que l'on avait prévu. Et les charges de personnel, on avait été obligé de prévoir qu'on arriverait à recruter, mais on n'est quand même pas arrivé à recruter, donc on avait un peu trop. C'est ça les trois éléments les plus saillants. Merci. Merci, Monsieur Portex. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération ? Alors, donc on va la mettre aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Eh bien, donc c'est un vote à l'unanimité. Je vous remercie et je vous invite à passer à la délibération numéro 25, affectation du résultat de fonctionnement en 2023. Et c'est encore Monsieur Portex qui a la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc maintenant que nous avons voté le compte administratif, il s'agit d'affecter le résultat de fonctionnement en 2023. Donc ce résultat de fonctionnement, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, il est de 8 154 229,27. Alors par contre, il faut prendre en compte aussi les résultats reportés et d'investissement. En fait, si on cumule tout avec les reports, on arrive à un besoin de financement. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a retiré en fait l'investissement au financement, du fonctionnement vers le financement. Et donc, une fois qu'on a tout calculé, on a un besoin de financement d'un peu plus de 4,5 millions. Et donc, on va affecter cette somme, donc 4 509 237,80 du résultat à l'investissement. Et donc le résultat de fonctionnement reporté, lui, se monte à 3 644 991,47 et qu'on vous propose donc de reporter en section de fonctionnement. Et ce report sera fait au moment du budget supplémentaire. Merci, Monsieur Portex. Monsieur le rapporteur de la Commission des travaux. Avis favorable. Et Monsieur le rapporteur de la Commission des finances. Avis favorable, Madame la Présidente. Est-ce que nous avons des questions, Monsieur Brunschvic ? Alors, pour l'instant, j'en ai dit aux questions, mais on va noter déjà que vous vous abstenez. Donc, pas de questions. Effectivement, on va mettre aux voix. Donc, abstention de Monsieur Brunschvic et Monsieur Montet. Est-ce qu'il y a d'autres abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Donc, la délibération est acceptée. Je vous remercie. Et je pense qu'on peut aller chercher Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, juste pour votre information, parce que j'écoutais, parce qu'il y a une foule immense qui suit notre conseil, de 12, et donc j'ai fait le 13e, et donc j'écoutais, et juste, je sais que c'est bien le problème, d'ailleurs, les mécanismes financiers avec la création de la métropole du Grand Paris sont inextricables, mais juste une précision, le FCCT est une dépense pour les communes et une recette pour le territoire. Et pas une recette pour les communes, c'est une dépense pour les communes qui est fixée dans le cadre de la loi et qui ensuite fait l'objet de notre pacte financier et fiscal au niveau du territoire POLD. Et donc, comme toutes les communes, il y a 11 communes à POLD, et comme toutes les communes ont des difficultés plus ou moins fortes de budget, suivant les situations. Certaines ont augmenté leurs impôts deux années de suite, par exemple, dans POLD, c'est-à-dire 22-23. Hein. Nous, ce n'était pas notre cas, ni en 22, ni en 23. On a pris la position de fixer le FCCT conformément à la loi, mais aussi conformément à un deuxième alinéa de la loi qui dit que le FCCT doit être ajusté en fonction du besoin de financement du territoire, comme c'est une recette pour le territoire. Et donc, il se trouve que nous avons des excédents sur le territoire POLD. Et donc, du coup, nous avons estimé, d'un commun accord avec l'ensemble de mes collègues maires, moi, j'ai les finances depuis le 1er janvier 2016 de ce territoire, que ce n'était pas la peine d'augmenter les excédents et surtout de générer des dépenses supplémentaires pour les communes. À partir du moment où le besoin de financement est satisfait et que les projets peuvent se faire, on a donc permis de faire descendre le FCCT qui, à l'échelle du territoire, devait être l'année dernière de 202 millions d'euros de recettes, 202 millions d'euros de recettes à 168, je crois, si ma mémoire, je vous dis ça à peu près de tête. Et donc, c'est ça qui explique que dans chacune des 11 communes, pas uniquement pour Saint-Cloud, mais bien sûr pour Saint-Cloud, après, il y a d'autres mécanismes. Dans le pacte financier, il y a l'amortisseur, etc., sur la péréquation. Mais principalement sur le FCCT, c'est ça qui explique qu'on a un FCCT socle,
comme le rappelait notre collègue Nicolas Portex tout à l'heure, à 10,5 millions ou 10,4 millions, je ne sais plus, et qu'en fait, on finit avec un atterrissage à 6,8 millions, sachant que on avait une inscription budgétaire à 8,2 millions, si ma mémoire est bonne, mais c'est une dépense pour nos communes. C'est une dépense. Donc, du coup, quand on passe de 8,2 millions à 6,8 millions, bah, c'est 1,4 millions de dépenses en moins, quoi. Voilà, mais bon, c'est une des raisons qui, l'opacité des flux financiers, enfin l'opacité, pas au sens malin du terme, mais au sens technique, l'opacité des flux financiers au niveau de la métropole fait que, enfin c'est une des raisons qui fait qu'on est dans un schéma qui, visiblement, ne doit pas pouvoir tenir très longtemps. Alors, merci mes chers collègues. Délibération numéro 26, le bilan des acquisitions et cessions. Je crois que M. Portex, vous avez fait largement l'écho tout à l'heure. Allez-y. Monsieur le maire, oui, bah donc, comme en fait, j'ai déjà listé le bilan d'acquisition et de cession, je vais juste rappeler les montants. Acquisition 479 550 euros et cession 1 833 301. Donc j'ai listé tout à l'heure à la fois les biens en acquisition et en cession. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur de la commission des travaux. Avis favorable, monsieur le maire. Monsieur le rapporteur de la commission des finances. Avis favorable, à l'unanimité, monsieur le maire. Merci beaucoup. Pas de questions sur cette délibération. Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est un donné acte. Mais il faut qu'on donne acte à l'unanimité, que c'est bien, qu'on a bien donné acte de la communication. Donc c'est donné acte à l'unanimité. Délibération numéro 27, admission en non-valeur de créances éteintes. Monsieur Portex. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, c'est le comptable qui est en charge du recouvrement pour la ville. Et régulièrement, eh ben, il nous transmet des informations sur l'avancée de ses dossiers, et notamment quand il rencontre des difficultés, voire quand il a une situation où il sait qu'on n'arrivera pas au bout du recouvrement de certaines dettes, ce qui est le cas ici. Et donc, à ce moment-là, on a cette délibération pour admettre en non-valeur de créances éteintes certaines créances. Là, il s'agit de créances, en fait, c'est une situation de type surendettement et un certain nombre, du coup, de titres ne seront jamais payés. Donc, le montant total, c'est 622,95 €. Et ce sont des dépenses au titre des années 2019 et 2020, des factures de crèche. Voilà, donc ce que on vous propose à travers cette délibération, c'est d'admettre ces titres, de les admettre en non-valeur de créances éteintes. Merci, monsieur Portex. Monsieur le rapporteur de la commission des finances. Un avis favorable à l'unanimité, monsieur le maire. Merci beaucoup. Pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 28, création de tarifs pour le stationnement des deux roues motorisées dans le parking de l'hôtel de ville. Monsieur Achard. Merci, monsieur le maire. Comme évoqué lors de la séance du conseil municipal du 16 novembre 2023, lors de la présentation de l'évolution de la grille tarifaire du parking de l'hôtel de ville, une refonte de la signalétique et du parcours client de celui-ci va être mise en œuvre. En parallèle, une réallocation de la distribution des places de stationnement va permettre une optimisation du niveau d'AI. Pour cela, Indigo va cette année d'une part déplacer une place PMR pour améliorer son accessibilité, d'autre part créer une zone de stationnement dédiée aux deux roues motorisées. Il faut également noter que la création d'une zone de 6 bornes de recharge de véhicules électriques est à l'étude, mais reste soumise à un accord au regard de la réglementation incendie. L'offre de stationnement pour les deux roues motorisées n'existant pas jusqu'à présent dans le parking hôtel de ville, il y a lieu de créer des tarifs correspondants, horaires et abonnés, à l'image de ce qui est prévu sur les autres ouvrages de stationnement tels que Avelines et Hôpitaux, soit la moitié des tarifs pratiqués pour les véhicules légers qui, eux, 4 roues le plus généralement. La proposition de grille tarifaire est présentée et elle reprend donc la moitié des tarifs prévus pour les voitures. Il est donc demandé d'approuver cette grille tarifaire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Achard. Monsieur le rapporteur de la commission des travaux. Avis favorable, monsieur le maire. Merci, monsieur le rapporteur de la commission des finances. Avis favorable à l'unanimité, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur ces tarifs. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 29. Autorisation donnée à monsieur le maire de signer la convention de réservation pour les logements sociaux. Alors, en fait, c'est la 29, la 30, la 31 et la 32 qui ont le même objet. Donc, je passe la parole à monsieur Pierson. Oui, merci, monsieur le maire. Vous vous souvenez que lors de notre dernier conseil municipal, nous avions déjà voté deux autorisations de ce type pour les deux premiers bailleurs avec lesquels nous avions abouti sur les négociations.
Nous avons abouti là avec quatre bailleurs, donc c'est les quatre conventions qui sont proposées à votre signature. Je vous rappelle simplement que, sans rentrer dans le détail technique, qu'il s'agit de passer d'une gestion en stock à une gestion en flux et donc d'organiser la façon dont ça se passe au mieux des intérêts de la ville. Donc ça a fait l'objet de discussions avec chacun des bailleurs. Vous avez la numéro 29 qui concerne CDC Habitat, la numéro 30 qui concerne CDC Habitat Social, c'est quelques résidences qui ont un statut différent ici, dans notre ville, la 31 pour Immobilière 3F et la 32 pour 1001 Vies Habitat. Nous en aurons d'autres lors de notre conseil municipal du mois de juin. Merci Monsieur Pearson. Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances. Alors, sur les quatre projets de délibération, la Commission a rendu un avis favorable à l'unanimité. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Monsieur Montet, bien sûr. Non, j'avais juste une question très neutre. Qu'est-ce que ça apporte et à qui ? Alors, je vais répondre de façon très neutre aussi. Ça apporte à l'État. L'État se sécurise de cette façon-là avec ce nouveau système. Dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, 30% des droits de réservation. Après, il laisse les autres se débrouiller pour les 70 autres pourcents. Mais l'objet de l'État, c'est d'absolument capitaliser sur, pour lui, 30% systématiquement des droits de réservation. C'est-à-dire qu'il y a des conventions qui ont été passées entre l'État et les bailleurs pour la réservation absolument certaine de 30%, quoi qu'il arrive, quelle que soit la méthodologie de calcul, 30% c'est pour l'État. Pour les autres, ça apporte que de la complexité, à la fois dans le cadre de la négociation qu'il a fallu mener avec chacun des bailleurs, dans une technicité assez élaborée, on va dire, avec différentes méthodologies de calcul que j'ai essayé de simplifier dans le rapport de présentation qui est ici. Les bailleurs eux-mêmes marquent un enthousiasme pour le moins limité par rapport à ce nouveau système, sachant qu'eux-mêmes vont voir des possibilités de réservation qu'ils avaient qui vont probablement disparaître. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, au sein de leur propre parc, pouvaient trouver des systèmes d'échange et des choses comme ça. Et ça va progressivement probablement s'amenuiser au profit des droits de réservation de l'État, des préfectures en l'espèce. Tu nous l'avais expliqué en commission logement, là, la gestion en stock, gestion en flux. Désolé Jean-Christophe, mais j'ai toujours pas compris. Je ne sais pas si je comprendrai un jour. Et il y a tellement de choses que je ne comprends pas en tant qu'élu local. Ça me pose un vrai problème, quoi. Vous parliez de la complexité, de la transparence, le FCCT, le truc. C'est un trou noir. C'est-à-dire que comment on peut intéresser les gens à la gestion de la vie locale, s'investir pour la chose publique, quand le coût d'accès est tel ? Moi, ça fait quand même, 8 ans, 9 ans que je suis élu local. Je bosse 10 ans. 2014. Eh ouais, 10 ans. Tout à fait. Je m'intéresse un peu au sujet aussi de fiscalité. Je travaille, je fais le minimum, quoi, quand même. Mais j'y arrive toujours pas. Et comment fait un citoyen lambda pour y arriver ? Et là, c'est encore un exemple avec le logement. Et franchement, ça me désespère. Je fais juste un élément de réponse. Ce qu'on l'on doit faire, et là je raisonne collectivement, nous élus, devant une complexité de cette nature, c'est comment est-ce que, à l'intérieur de cette complexité qu'on essaie de comprendre quand même vaille que vaille, sur un sujet précis, en l'espèce celui-là, comment est-ce qu'on fait pour défendre les intérêts de la ville ? Et ça a été ça tout l'enjeu des négociations avec chacun des bailleurs. C'est ça le biais, essayer de s'approprier d'une façon ou d'une autre une technicité. Et on est d'ailleurs en cela très aidé par les services de la ville, à qui je rends hommage notamment pour m'avoir accompagné pour comprendre la façon dont ça marchait. Et après, comment est-ce qu'on fait pour descendre les intérêts de la ville ? C'est un peu ça la clé d'entrée. Ouais, mais moi en tant qu'élu de l'opposition, par exemple, je ne sais pas si vous m'en fumez ou pas. Franchement, je ne sais pas. Alors, on a de bons rapports, on est plutôt confiant, on se fait confiance, etc. Mais il y a plein de trucs où j'essaye de comprendre, de rentrer un peu. Mais honnêtement, vous pourriez m'en fumer, je ne m'en rendrais pas compte, quoi. Et c'est un problème. Je pense que c'est un vrai problème démocratique. Non, mais vous avez raison. Il y a une chose qui peut vous rassurer, Monsieur Brajvic, au-delà des bons rapports que vous signalez, c'est que l'unanimité des élus locaux, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs,
sont contre ce sujet, voilà, et les bailleurs sociaux aussi d'ailleurs. Et donc ça, c'est de nature plutôt à rassurer, mais c'est vrai qu'on se demande, enfin si ce n'est qu'on comprend très bien hein, ce qu'il y a derrière ça, mais quand on regarde l'évolution de cette réglementation au 1er janvier 2024, on se dit, mais quelle mouche a piqué celui qui a pensé à ça un matin en se levant, quoi. Franchement, c'est quand même lunaire, quoi. Bon. Et c'est tout le débat entre, qui n'est pas qu'un débat sémantique, entre la déconcentration et la décentralisation. Et ça, c'est une opération de déconcentration, pas du tout de décentralisation. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir au préfet, on ne donne pas le pouvoir aux élus locaux. La déconcentration, c'est l'État ou le gouvernement ou l'administration centrale qui délègue son pouvoir au préfet. C'est ça la déconcentration. Et ça, il faut reconnaître que le président de la République est très adepte de la déconcentration. Mais la décentralisation, c'est ce qui a été fait en 82, notamment. Puis après, il y a eu d'autres lois, mais surtout 82, parce que c'est le virage, hein, 82, où on donne le pouvoir aux élus locaux. Et ça, c'est tout à fait le contraire, clairement. Sans parler d'un sujet qui est quand même insupportable, c'est que ces fameux droits de présentation ont été acquis, parfois de façon financière. Ils ont été monnayés. Donc là, on s'assoit dessus. Nous, on avait des conventions qui roulaient encore pendant 10 ans et qui ont fait l'objet d'une négociation. On a même délibéré au conseil municipal ou mon prédécesseur, parce que parfois, c'est des conventions sur 20 ou 30 ans. Je ne parle pas des droits de garantie, des garanties d'emprunt. Hein. Je parle vraiment des droits de présentation qui ont été monnayés au moment où les bailleurs sociaux ont investi dans les logements. On a fait de la surcharge foncière à ce moment-là, enfin pas foncière parce que ce n'était pas de l'acquisition, mais on a financé l'investissement en partie et ça a donné lieu à un allongement de la convention de partenariat qui nous donnait les droits de présentation. La loi s'assoit clairement là-dessus, sans nous rembourser. Hein, parce que si on faisait prorata temporis de ce qui nous manque en durée de vie de la fameuse convention, oui, ça représente de l'argent. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a financé sur le marché des Avignes le bail amphithéotique avec Immobilier 3F, 7,5 millions. Parce qu'il y avait un bail amphithéotique qui courait jusqu'en 2042 et on y a mis un terme en 2020 ou je ne sais plus quand. Tout ça, ça représente financièrement. Bon, là, ça passe en perte des profits, c'est ahurissant. Bon, enfin voilà, c'est comme ça malheureusement. Donc délibération numéro 29, est-ce qu'il y a des avis contraires, vous abstenez ? Monsieur Brunswick, vous vous abstenez ou vous voulez une suspension de séance, Monsieur Montet? C'est pour les nouvelles négociations de. Pardon? Non, mais vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est... D'accord. Donc pas d'abstention, unanimité. On peut considérer qu'on a le même vote pour la délibération numéro 30, même vote, unanimité. 31, unanimité. Et 32, unanimité. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 33, le CIFUREP. Alors ça, c'est franchement, c'est probablement la chose essentielle de la soirée. Figurez-vous qu'au CIFUREP, il y a une commune qui a décidé de sortir du CIFUREP, bien lui en face. Et du coup, nous avons l'obligation de délibérer pour que la commune de Villetaneuse, seule bénéficiaire de ce transfert de compétences, puisse procéder à la révision statutaire pour supprimer la dite compétence qui lui a été accordée à l'époque quand elle est rentrée dans le CIFUREP. Vous voyez, l'enjeu, il n'y a pas de problème dans le pays aujourd'hui, et donc du coup, c'était important qu'on se réunisse pour ça quand même. Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances. La Commission a rendu un avis favorable à l'unanimité, monsieur le maire. Oh là là, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 34, c'est la conclusion d'une convention de partenariat entre la commune et la Banque Populaire, et c'est Monsieur Trémantin. Oui, Monsieur le Maire. Dans le cadre de l'organisation des différentes manifestations que nous avons prévues sous le nom de Saint-Cloud Cultivons le Sport, nous nous sommes rapprochés des banques populaires, puisque les banques populaires, par ailleurs, au niveau national, est un des premiers parrains du comité olympique. Et les banques populaires du Val-de-Seine se sont bien voulu avec nous prévoir des possibilités, d'abord de nous donner pour des goodies, de façon à ce qu'on puisse les distribuer lors de ces manifestations.
Et ils vont également mettre à notre disposition 3 personnes dans le cadre de grands événements comme la soirée des sportifs demain, comme les Olympiades de quartier, et comme la fête pardon, de l'école des sports, et comme l'apéro olympique du mois de septembre. Voilà, donc, mais pour cela, nous avons une convention à signer. Vous avez un exemplaire de cette convention qui vous est soumise. Merci, Monsieur Trémantin. Monsieur le rapporteur de la Commission des finances. La Commission a rendu un avis favorable à l'unanimité, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 35, modification des tarifs des droits de place et d'animation des marchés d'approvisionnement. Madame Askenazi. Alors, effectivement, nous avons voté en date du 6 juillet 2023 des tarifs fixant les droits de place des marchés d'approvisionnement pour les stands de traiteurs du food court et du marché des Avelines. Aujourd'hui, il convient d'apporter un rajout à ces tarifs. Donc, on n'avait pas voté à l'époque, donc le 6 juillet. Il s'agit des droits de place d'angle et de tarifs de déchargement pour les marchés des Avelines. Ces tarifs existaient déjà ont toujours existé pour le marché du centre et le marché des Milons, et on ne les avait pas votés pour le nouveau marché des Avelines. Donc aujourd'hui, voilà, on vous les met en proposition. Donc il s'agit de rajouter 0,90 centimes pour les droits d'angle et 1 euro pour les droits de déchargement pour le marché des Avelines. Les autres restent inchangés. Le tarif des autres marchés reste inchangé. Voilà. Et les droits du food court ont déjà été votés. Donc voilà. Il n'y a que ça à voter aujourd'hui. Merci. Monsieur le rapporteur de la Commission des travaux. Avis favorable, Monsieur le maire. Merci. Monsieur le rapporteur de la Commission des finances. Avis favorable, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Potier. Oui, alors Delphine. Oui, je ne sais pas pour parler des 90 centimes, mais en fait, je voudrais profiter de cette délibération pour aborder la question de conduite de changement liée au projet du nouveau marché. Alors, nous sommes conscients que ce changement représente une opportunité, hein, mais il suscite également des inquiétudes parmi nos commerçants. En premier lieu, certains d'entre eux s'inquiètent du fait qu'ils seront désormais tenus de participer au marché 3 fois par semaine, c'est-à-dire mercredi matin, vendredi soir et samedi matin, alors que cela ne leur était pas imposé auparavant. Et cette fréquence accrue soulève des interrogations quant à la viabilité économique de cette nouvelle configuration, d'une part, et d'autre part, quant à l'équilibre de leur vie privée, en particulier pour les petits producteurs qui, comme ne s'approvisionnant pas à Rungis, ne voient pas comment faire pour être le vendredi soir au marché, puis retourner sur leurs exploitations pour en repartir vers 3-4 heures du matin. Donc, deuxième point, aussi, il me semble crucial de clarifier la situation concernant les commerçants qui choisiront de participer et ceux qui ne le feront pas. Parce que les rumeurs circulent et il est important de rassurer les Clodoaldiens au sujet de leurs commerçants, dont certains sont présents depuis plusieurs décennies et font partie intégrante de la vie de notre commune. Donc enfin, nous partageons tous le souhait que ce nouveau marché soit un succès, étant donné l'investissement considérable qui est associé. Donc, pourriez-vous nous dévoiler une partie du plan d'action que vous comptez mettre en œuvre pour attirer une clientèle dynamique et fidéliser les Clodoaldiens? Ça permettrait de rassurer nos commerçants et de garantir la vitalité de ce nouveau marché. Je vous remercie. Alors, je vais vous donner quelques éléments, puis s'il faut, Madame Askenazi complétera. Bon, d'abord, vous savez, quand vous êtes engagé au service de l'intérêt général, les rumeurs, c'est quelque chose qu'il faut écarter. Basez-vous sur les faits et pas sur les rumeurs, parce que les rumeurs, effectivement, elles font dire beaucoup de choses à beaucoup de gens. D'abord, nous voyons dans cette délibération qu'on avait déjà pris le 6 juillet, qu'on a un tarif sous la halle qui va être à 3,50 euros le mètre linéaire, ce qui est extrêmement favorable ou faible, enfin, je ne sais pas très bien comment on peut dire, concurrentiel en tous les cas, puisque ça sera moins cher que vos croissants, sera moins cher que Royal Malmaison. Et donc, aujourd'hui, c'était 1,60 €. Hein. Et donc, souvent, notamment quand je faisais samedi visiter le marché au Clodoaldien, les Clodoaldiens trouvent le projet super, mais me disent, mais vous savez, notre marché est quand même un peu cher, il faudrait faire attention. Ce que nous disons régulièrement, d'ailleurs, avec Madame Askenazi,
Lors des deux dernières réunions que nous avons eues avec eux, une en décembre 2022 dans cette salle où on a passé 3 heures avec eux, et puis une plus récente en février 2024 dans la halle directement où on a reçu avec Mme Askenazy pendant plus de 2 heures l'ensemble des commerçants actuels, hein, bien sûr, et où on leur a d'ailleurs présenté les tarifs. Et franchement, il n'y a pas eu de scandale là-dessus, ils ont reconnu que ça restait compétitif. Bon. Donc, quand effectivement le changement est source d'angoisse et de stress, on le sait tous, déménager, c'est compliqué. Si vous êtes dans votre entreprise et que vous faites déménager vos collaborateurs, c'est une source de stress, donc il faut mener ça comme un projet, etc. Enfin, tout ça, on le sait. Pour les commerçants, c'est la même chose, effectivement, ça peut être une source de stress. J'ai le souvenir, M. Pierson est à mes côtés, dans le mandat précédent, quand on leur a annoncé qu'il fallait monter aux Avelines, et Dieu sait que l'ancien marché n'était quand même pas tout à fait dans des conditions de travail et d'acceptabilité des administrés exceptionnels, ça a été très dur quand on leur a annoncé ça, qu'ils allaient aller avec une halle provisoire à Stella, etc. Et donc, on avait eu à l'époque beaucoup de difficultés, Mme Chaffard-Lusson et M. Pierson, déjà. Donc, effectivement, aujourd'hui, il peut y avoir la même inquiétude. Alors, on les a rassurés. Et il y a une chose alors, sur laquelle j'ai été, avec Mme Askenazy, extrêmement ferme depuis le début. Nous avons effectivement une halle dans laquelle nous avons beaucoup investi. On vous l'a déjà dit, on en a déjà parlé ensemble, etc. Nous avons décidé, parce qu'on pense que c'est aussi quelque chose d'intérêt général et qui va permettre, vu les évolutions des comportements après la crise du Covid, le télétravail, tout un tas d'habitudes de nos administrés qui ont changé, nous pensons qu'il y a effectivement, et d'ailleurs ils le reconnaissent, puisque eux-mêmes le font dans d'autres communes, une place et une clientèle pour le vendredi après-midi qui est une offre dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Donc on garde le mercredi matin, on garde le samedi matin, comme c'était le cas avant, et nous rajoutons une offre du vendredi après-midi. Et vous voyez que nous sommes à leur écoute parce qu'au début, on avait envisagé le dimanche matin. Et effectivement, le dimanche matin, ce n'était pas une bonne idée parce que samedi matin et dimanche matin, c'est le même client. Et donc on aurait divisé par deux et on aurait augmenté pour eux des charges supplémentaires, mais sans forcément dynamiser leur clientèle. En revanche, et ils en sont d'accord, et nous en sommes persuadés, le vendredi après-midi, ça sera une clientèle tout à fait différente. Et donc, c'est notre responsabilité de fixer les jours d'ouverture de l'halle. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que vous nous dites qu'on fait un investissement colossal juste pour 2 jours, et du coup, on propose une troisième, enfin, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on propose ça, d'ailleurs, peut-être pas d'ailleurs, mais en tous les cas, on propose une troisième journée, vous devriez vous réjouir. Et évidemment, les commerçants, après, ils nous disent, mais oui, mais c'est un problème pour nous. Mais là, vous voyez, alors là, on est face à deux logiques différentes. Et moi, je leur ai dit, et je leur ai dit que je ne niais pas le fait que ça puisse être compliqué pour eux. Je leur ai dit, on a eu cette discussion, mais ça, c'est le problème de leur entreprise. Et moi, Ville de Saint-Cloud, je suis en charge de faire fonctionner un équipement public. Et cet équipement public, il a son rythme, son utilisation, sa fréquence, et c'est nous qui en déterminons les conditions. Ça, c'est très clair, et je ne reviendrai pas là-dessus. Et donc, je leur ai dit, si vous ne pouvez pas venir, mais je le comprends très bien. Et à ce moment-là, vous pouvez venir que le samedi, vous serez en extérieur, ou si vous ne voulez plus venir du tout, vous ne venez plus. Mais ce n'est pas nous qui leur demandons de plus venir. Il faut bien être clair là-dessus. Hein. C'est eux qui font le choix d'organiser leur entreprise de cette façon-là, ou peut-être qu'ils ne le peuvent pas, je ne le nie pas, mais dans ce cas-là, ils ne viennent pas, et c'est leur responsabilité, et c'est leur choix. En tous les cas, nous pensons qu'il y a vraiment un public pour le mercredi matin, le vendredi après-midi, et le samedi matin. Sur les prix, on leur a dit plusieurs fois, tous ne sont pas des producteurs. Hein, aujourd'hui, ceux qui sont là à Stella et qui vont venir aux Avelines, tous ne sont pas des producteurs. Beaucoup vont à Rungis. Et il faudra m'expliquer pourquoi la barquette de framboise Driscoll, qui est à 2,50 à Suresnes et qui est achetée par le même commerçant, en vaut 3,90 à Saint-Cloud. C'est pas parce que les places, le mètre linéaire est cher. Hein, c'est parce que on a une image, et je leur ai dit, donc je vous le dis aujourd'hui publiquement, parce que j'ai eu cette discussion, Mme Askenazy et moi, et il y avait les services qui étaient là, il y avait aussi Semaco, le délégataire, et eux, ils étaient là. Mais c'est parce que beaucoup trop de gens ont l'image d'une commune, Saint-Cloud, où il n'y a que des gens aisés. Et donc je leur ai rappelé que nous, contrairement à d'autres communes aisées de notre département, nous avions effectivement des gens qui avaient une situation aisée, et puis nous avions des gens en difficulté. Et que la particularité de notre commune, c'est qu'on est une commune populaire,
où on a à la fois des gens en situation difficile, on a 900 personnes au RSA à Saint-Cloud, ce qui n'est pas le cas d'une ville comme Neuilly, comme Marne-la-Coquette, etc. Et puis on a aussi des gens... Et donc il faut faire attention parce que les gens, vous savez, ils ne sont pas idiots. Quand ils vont faire leurs courses à Carnot, à Suresnes ou dans d'autres marchés ou éventuellement dans les grandes surfaces, à Monoprix, au Leclerc ou ailleurs, ben, ils voient bien ce que ça coûte. Et ils se disent, c'est quand même bizarre, ça, c'est pas un producteur, ça. Enfin, ça a été produit quelque part, bien évidemment, à un moment donné. Mais ça vient de la même source qu'est Rungis, donc on ne comprend pas très bien. Bon. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis enfin, moi, je fais mes courses tous les samedis, rarement le mercredi, parce que j'y vais de temps en temps, mais je n'ai pas trop le temps. Mais tous les samedis, je suis sur le marché, on se voit souvent d'ailleurs, et je fais mes courses, etc. Et donc, oui, bien sûr, je suis très attaché à nos commerçants, etc. Mais si un jour ils s'en vont, il y aura d'autres commerçants, vous savez. Il faut bien comprendre qu'en Ile-de-France, des projets comme le nôtre, d'une halle nouvelle, atypique, parce que nous, on n'a pas fait la halle secrétant, vous savez, en structure industrielle verte, comme on en voit partout, hein, eh bien, c'est un projet qui a fait beaucoup florès chez les commerçants. Et donc, aujourd'hui, nous avons une liste d'attente très importante de commerçants. Parce que c'est rare d'avoir une commune qui investit comme ça sur une halle nouvelle, conçue un peu comme une place de village, en fait. Bon, et c'est ce qu'on a cherché à faire. Bon. Et donc, alors, ça, c'est pas notre souhait, mais s'ils veulent pas venir, et ça, c'est leur responsabilité, bah, on mettra d'autres commerçants. Alors, on va peut-être perdre trois semaines, un mois, parce que l'instant que le nouveau commerçant achète les vitrines, puisse mettre les stands... Parce que aussi, nous avons une exigence là-dessus, il faut être très clair. Nous avons fait un investissement important. La halle est quand même de toute beauté. C'est un beau produit pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi qu'ils fassent un peu d'investissement. Ils ne peuvent pas nous remettre les étals avec les jupes en plastique comme il y a aujourd'hui à Stella. Ça ne va pas, ça. Et donc, ils sont en train pour aller les trois quarts au moins... D'ailleurs, s'ils sont en train de... je publierai les photos demain, parce que je suis passé tout à l'heure et j'ai pris quelques photos. Ils sont en train d'amener, pour ceux qui ont fait leurs commandes sur mesure, parce que tout est sur mesure, de vitrines, ils sont en train de les installer. Et franchement, ça fait un effet... c'est dingue, quoi. C'est vraiment très chouette. Donc, voilà, il faut prendre tout ça en considération. Mais moi, je veux dire qu'on a été responsable dans cette affaire. D'abord, on a fait très attention au coût du mètre linéaire. Donc ça ne peut pas être un argument pour eux qui justifie la différence de prix. Ce n'est pas le cas. Et ensuite, depuis au moins 2022, ça fait plus de deux ans, qu'on leur dit qu'il y aura trois jours. C'est un débat qu'on a déjà eu avec eux depuis longtemps. Peut-être certains n'ont pas voulu l'entendre. Je comprends que ça peut poser des problèmes d'organisation, mais ça, c'est le problème de l'entreprise. Moi, le problème de la commune, c'est... un équipement public d'intérêt général qui doit apporter le meilleur service aux administrés. Et nous pensons que c'est le mercredi, le samedi et le vendredi après-midi que ça va se faire. Et comme je leur ai dit avec Françoise Askenazy quand je les ai vus en février 2024 sous la halle, donnons-nous le temps de la réussite. Vous savez, nous, on n'est pas des gens obtus, hein, on est assez pragmatiques. Si au bout d'un an, on voit que ça ne fonctionne pas comme ça devrait, ben, on révisera, c'est pas très grave. On révisera et fait peut-être notre position, mais il y a une clientèle, croyez-moi, le vendredi soir et le vendredi après-midi, ce n'est pas le même client que le samedi matin. Et donc, il y a une vraie clientèle et vous verrez que ça répondra à une vraie attente et un vrai besoin de la part de nos administrés. Donc, je les vois souvent, je leur en parle, je suis à leur disposition pour discuter, échanger avec eux, mais il y a un moment où il faut que les choses soient claires. Si on veut profiter de la halle, ben, il faut être présent trois fois par semaine. Vous savez, quand vous êtes, nous sommes que sur trois jours, mais quand vous êtes dans une galerie commerciale très attractive, comme celle du Leclerc ou de Paris 2 ou d'autres, et vous êtes obligé d'être ouvert autant de fois que la galerie est ouverte, sinon on vous dégage. Mais c'est assez logique, vous ne pouvez pas vous permettre à un moment d'ouvrir une halle avec les deux tiers vides, ça n'a pas de sens. Et en plus, c'est mauvais pour eux, parce que ça ne créera pas la dynamique. Ce qui crée la dynamique, c'est l'émulation, c'est le fait que ça foisonne, que les gens aient envie de venir, qu'ils y restent, que ça soit un lieu de destination. Et c'est ça qui va créer la dynamique. Donc, après, oui, c'est des petites structures, hein, c'est pas des multinationales, je sais bien, hein, je connais bien leur métier. Et il faut s'adapter, et parfois il y aura des difficultés pour s'adapter. Mais ça reste le problème de l'entreprise. Je ne dis pas que je ne peux pas le prendre en compte, parce qu'on est humain, donc
on discute avec eux, on échange et on essaye de trouver des solutions. Mais c'est quand même avant tout leur entreprise et c'est à eux de l'adapter en fonction de l'exigence que nous formulons sur un équipement d'intérêt général qui doit avoir le meilleur service pour ses administrés. En fait, ma question, elle était plus sur ce que la ville allait mettre en œuvre pour dynamiser, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de nouveaux clients, ou fidéliser ceux qui viennent déjà. Donc, je comprends qu'en travaillant sur les tarifs, on peut faire venir de nouveaux clients. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues ? Oui, alors travailler sur les tarifs, ça, on n'a aucune compétence. Nous, on leur dit, hein, on leur dit, faites attention. Mais moi, je ne peux pas décider de leur prix de vente. Hein. Ça, c'est libre, c'est leur choix. Et ce que j'ai dit aux administrés qui me disaient que le marché était cher, je leur ai dit, mais vous avez raison. Et il se trouve que j'adore faire les courses. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, j'adore faire les courses, donc je peux vous donner tous les prix de beaucoup de choses. Mais j'ai dit, il faut le dire aux commerçants. C'est pas moi qu'il faut le dire. On n'est pas en Union soviétique. Enfin, ça n'existe plus. En régime communiste. Et donc, les commerçants, ils sont libres de fixer leur prix. Donc, c'est à eux qu'il faut le dire. Et je suis d'accord avec vous. Et je leur dis, et j'ai dit aux administrés, que ça ne peut pas être le prix du mètre linéaire qui justifie le prix. Hein, pour tout le monde, parce que sinon, je vois très bien comment ça va se passer. Vous savez, c'est comme ce que j'expliquais avec l'État tout à l'heure sur la taxe d'habitation. C'est de la faute du maire, il a augmenté les tarifs, ça nous coûte plus cher. Puis, il faut qu'on fasse des investissements, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire pour faire en sorte, parce que c'est quand même notre intérêt, je leur ai dit, leur intérêt est le nôtre, c'est que ça marche. Et donc, nous, on a, avec Mme Askenazy, on a un plan de communication, on fait beaucoup de choses déjà. Hein. On fait visiter la halle, on en parle beaucoup dans le magazine, mais on va avoir un plan de com', un plan d'animation, on va faire des trucs boîte aux lettres, parce que l'avantage de l'ancien marché, c'est que maintenant, quand on passe devant, on le voit. L'ancien, on ne le voyait pas. Donc déjà, l'enjeu, je vais vous dire, c'est à mon avis, c'est pas tant le marché. Le marché, ça va fonctionner. L'enjeu, c'est de faire fonctionner le food court ou la halle gourmande, comment vous avez appelé ça tout à l'heure ? La galerie gourmande, je trouve que c'est beaucoup plus pédagogique, la galerie gourmande, parce que ça, c'est nouveau. Ce n'est pas une habitude à Saint-Cloud, mais entre les Clodoaldiens qui sont là la journée et les 17 000 emplois que nous avons sur la ville, tous les jours, et dont beaucoup ne sont pas des grandes entreprises qui ont des restaurants d'entreprise, hein, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a, sur les 2000 cabis, vous avez 15 grosses boîtes, et puis après, il y en a nettement moins. Et donc, toutes ces petites entreprises, elles n'ont pas toujours des solutions de restauration. Et donc, la galerie gourmande ou le food court, ça peut être une réponse pour les salariés qui n'ont pas le service. Donc, oui, on va faire une grosse communication sur les réseaux sociaux, dans le magazine, enfin, sur tous les moyens de communication dont nous disposons. Et puis aussi, c'est le bouche à oreille de l'ensemble des administrés. Nous avons fait également venir des nouveaux commerçants. Donc, on espère que ça va attirer aussi une nouvelle population, puisqu'il y a, par exemple, à nouveau, on parlait des fruits. Il y a un nouveau marchand de fruits et légumes qui va être un peu plus compétitif que les autres. Donc, ça va attirer peut-être une autre clientèle. Il y a aussi des volants qui n'étaient pas dans les autres marchés ou sur le marché de Stella. Donc, voilà, ce qui va apporter aussi, qui va attirer une autre clientèle et faire en sorte que tout ça marche bien et attire un maximum de personnes. Alors, et à l'intérieur de la halle, bon, il n'y a pas que le fruit et légumes, il y a un nouveau poissonnier, il y a un Libanais, il y a un nouveau boulanger, enfin, voilà, il y a de la nouveauté et du très bon produit aussi. Donc voilà, ça va contribuer à dynamiser la halle. Et il y a aussi tous les anciens commerçants qui sont là. Alors, ils ont beau râler, mais ils sont tous là. Ils ont tous répondu présent. Merci. Merci beaucoup. Rendez-vous samedi 20 avril, 7h30. Sur le marché. Alors, je vais mettre aux voix quand même. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 36, attribution d'un bon d'achat culturel dans le cadre du concours d'éloquence. C'est Madame Sagroun. Oui, alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la finale du concours d'éloquence qui aura lieu le 27 avril. Donc, à cette occasion, afin de récompenser le jeune Clodoaldien qui aura le premier prix de la ville de Saint-Cloud, il est demandé au conseil municipal de décider d'un bon d'achat d'une valeur de 150 euros utilisable au Cyclades, afin de le remettre au lauréat ou à la lauréate. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur de la Commission des finances.
Un avis favorable, unanime, monsieur le maire. Merci, pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Enfin, délibération numéro 37, la modification du tableau des effectifs. Donc, comme à l'accoutumée, hein, c'est une délibération qui vous propose cette fois-ci de créer des postes. Alors, c'est pas parce qu'on a embauché, je ne sais pas combien de postes on crée, mais 10 postes, c'est pas parce qu'on a embauché 10 nouveaux agents, mais c'est bien pour suivre l'évolution de carrière des agents. Et donc, nous vous proposons d'adopter ce nouveau tableau des effectifs. Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances. Avis favorable à l'unanimité, monsieur le maire. Merci beaucoup. Pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Nous en avons fini avec les délibérations et donc nous passons aux questions diverses. Alors, je ne sais pas qui commence. Madame Grévelinck. Oui, je commence. Madame Grévelinck, nous vous écoutons. Donc, monsieur le maire, chers collègues. Donc, comme à l'accoutumée, nous avons transmis nos questions à Damien Richard. Et ce vendredi, nous avons précisé que nous avions 5 questions, dont 2 seront posées par Raphaël Mechmaz en son nom propre. Nous voulons vous informer, en fait, d'un récent changement au sein du groupe Saint-Cloud 2020. Nous avons décidé de poursuivre notre engagement à 4, tandis que Raphaël Mechmaz a choisi de défendre ses convictions personnelles. Nous respectons ce choix et nous nous engageons à maintenir un dialogue constructif pour le bien de notre commune. Donc merci pour votre attention et nous allons maintenant passer à nos questions. Ben, il n'y a pas de réponse. Là, on passe à nos questions et tu parleras après. Donc tu... Alors, qui pose sa question ? Bon, allez, je pose ma question. Madame Delphine, hein, parce que maintenant, il faut prendre... Il faut que je change de nom. Hein. Madame Delphine Potier, allez-y. Donc notre ville et nos concitoyens se retrouvent à vivre plusieurs grands chantiers simultanés, vous avez commencé à l'évoquer, avec le lancement depuis le 11 mars en urgence de la réfection du tunnel ferroviaire du T2, la mise en place des modifications de circulation sur la rue d'Ailly pour l'installation du chantier de la future gare de la ligne 15, la fermeture de tronçons de la RD7 et de bretelles qui génèrent un report de trafic sur la place Georges Clémenceau. Et je n'oublie pas le chantier qui a démarré pour le futur musée du Grand Siècle. Donc ça donne déjà lieu depuis plus d'une semaine à de grandes complications pour la circulation des automobilistes et également des usagers des transports en commun. Car en effet, de nombreux arrêts de bus ont tout simplement été supprimés et l'information... notamment la signalétique, n'est pas toujours très claire à ce sujet. Le point le plus critique est situé évidemment au niveau de la place Georges Clémenceau, où se croisent l'autoroute, les quais de Seine, l'entrée de ville, et on constate déjà, ça congestionne aussi rapidement une partie de Saint-Cloud, au-delà. Donc qu'a prévu la ville en termes d'itinéraires alternatifs, de navettes temporaires ou bien de communication pour faciliter les mobilités pendant les différentes phases de ces nombreux ouvrages qui sont prévus pour plus d'un an, enfin pour certains. Vous avez raison, nous avons la conjonction de plusieurs chantiers d'ampleur, alors qui sont source d'amélioration de notre cadre de vie, de notre qualité de vie à terme, je dis bien, mais effectivement qui sont source de nuisances le temps des chantiers. Personne ne peut... contester le fait que quand il y a un chantier, c'est quand même moins agréable que quand tout va bien. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Après, il faut bien différencier les... En fait, il y a 4 choses différentes qui peuvent venir perturber ce que vous décrivez, qui est réel. Hein, l'engorgement à un point donné, parce que en fait, il faut à un moment ou à un autre, pour ceux qui le souhaitent, franchir la Seine, et il n'y a pas 50 000 solutions. Hein, vous avez le pont de Suresnes, le pont de Saint-Cloud, le pont de Sèvres. Après, vous en avez d'autres, bien évidemment, mais on s'écarte beaucoup de la commune. Mais en gros, c'est pont de Suresnes, pont de Saint-Cloud et pont de Sèvres. Et donc, pour ceux qui avaient l'habitude de prendre le pont de Saint-Cloud, et donc d'emprunter principalement la rue Gounod et puis la rue d'Ailly, c'est clair que la situation est loin d'être aisée pour l'instant. Alors, 4 chantiers différents. Je vais commencer par le premier qui est en ce moment le plus impactant. C'est celui du T2 et de la RATP. Hein. Tout le monde sait, voit très bien comment le T2 chemine dans Saint-Cloud et le long de la Seine. Et quand on fait un sens de circulation nord-sud, le T2 arrive donc de Suresnes et va vers Sèvres. Et à un moment, il est
avant la plage Georges Clémenceau, proche des habitations. Il traverse la plage Georges Clémenceau par un tunnel, il est souterrain, le T2, et il ressort pour se retrouver le long de la Seine en face du domaine national de Saint-Cloud. Et il se trouve que ce tunnel, qui est sous la plage Georges Clémenceau et qui est emprunté uniquement par le T2, dans les deux sens, hein, nord-sud et sud-nord, ce tunnel date de 1889. 1889, il est donc très ancien et il est en très très grande difficulté. L'ouvrage doit absolument faire l'objet d'interventions. Il y avait eu des interventions préparatoires il y a un an à peu près, un an et demi, qui avaient pu être faites de l'intérieur de l'ouvrage. Or là, sur ce chantier qui va durer le T2 22 mois, mais pas dans la complexité actuelle, je vais y venir. À un moment, il faut reprendre la structure de l'ouvrage, et pour ce faire, il faut le faire en éventrant la voie, parce qu'au-dessus, en fait, vous avez ce qu'on appelle le chinte de circulation de la route départementale 7, soit que vous veniez du pont de Sèvres, soit que vous veniez du pont de Suresnes. Et donc, sur les 22 mois, il y a 9 mois très critiques, qui sont les 9 mois que nous vivons et que nous avons commencé de vivre en ce moment, où la voie est éventrée, et donc le chinte nord-sud est coupé. Et donc, toute la circulation qui vient du nord sur les quais est amenée à venir sur la plage Georges Clémenceau, parce qu'elle ne peut plus, à hauteur de l'ancien Wartner, vous voyez, la blanchisserie Wartner, pour ceux qui connaissent bien notre commune, et la gare routière, hein, qui est là, la gare des bus. Avant, on pouvait tourner à gauche, prendre le chinte et passer en dessous. Ben ça, ce chinte-là, pendant 9 mois, va être fermé. Donc, ça a commencé là, début mars. J'ai eu une réunion très tendue avec la RATP il y a très peu de temps, parce que, figurez-vous que j'ai découvert ça un peu par hasard. Parce que, comme d'habitude, on avait oublié de prévenir les élus locaux et le maire, ce qui nous aurait permis, dans le magazine, sur le site internet de la ville, enfin, ou en écrivant aux administrés, d'organiser, enfin, en tous les cas, de prévenir très en amont les automobilistes, puisque là, c'est du trafic routier dont il est question. Et aussi, parce que l'essentiel de ce trafic routier, hein, le sens nord-sud, c'est 32 000 véhicules jour. Et bien évidemment, dans ce sens nord-sud, 32 000 véhicules jour, ce n'est pas que des clodoaldiens. Hein. Et donc, ce que j'ai expliqué à la RATP, c'est que quand vous mettez un panneau le dimanche soir pour le lundi matin, le flux de transit des 32 000 véhicules jour, il n'a pas le temps de s'organiser. Et donc, il est piégé. Et donc, la première semaine, c'est catastrophique, parce que avant d'imaginer l'itinéraire bis, c'est... Bon. Et donc, en fait, il fallait un mois avant, au moins, mettre les grands panneaux jaunes en noir, attention. Ce qu'on fait, nous, quand on fait des travaux importants, bah, on essaye de prévenir le plus en amont possible. Or, tel n'avait pas été le cas pour la RATP. Et en fait, alors décharge, comme il n'y a pas d'impact pour les usagers du T2, qui va continuer de fonctionner, bah, eux, ils n'ont pas pensé, vous savez, c'est un peu comme nos technocrates là-haut, mais ils n'ont pas pensé qu'il y avait aussi 32 000 voitures qui passaient, des gens, des habitants dans une commune, des possibilités de circuler, etc. Donc ça a été quand même très tendu, la réunion. Et donc, je leur ai demandé de repousser. Donc, ils ont repoussé de 15 jours parce qu'ils voulaient le faire le dimanche pour le lundi. Bon, donc, c'est comme ça que ça n'a pas commencé début mars, mais ça a commencé cette semaine. Et donc, voilà. Donc là, on a 9 mois très difficiles. Après, je ne dis pas que ça va être la folle vie, mais enfin, le chantier sera réouvert et ça engorgera moins la plage Georges Clémenceau. Donc ça, premier chantier, le T2, 9 mois durs, 22 mois en tout. Mais il est indispensable pour la sécurité des usagers du T2 de sécuriser ce tunnel. C'est 1889, ça fait quand même longtemps, et donc c'est des travaux de toute façon qui sont indispensables. Donc premier sujet, le T2. Deuxième sujet, il vient de voir le jour, enfin il est en train de voir le jour, c'est la gare du Grand Paris, donc la gare de la ligne 15 Ouest, où là effectivement c'est un chantier colossal, hein. Vous savez, on descend à 52 mètres sous terre dans un chantier qui va être à ciel ouvert pour mettre en place une boîte qui va faire 120 mètres de long par 60 mètres de large. Donc, vous imaginez un peu ce que ça représente. Donc, oui, c'est un chantier colossal. Il y a un an et demi, 2 ans très dur aussi, où ils vont faire, alors je ne suis pas ingénieur, mais où les parois moulées, où les reprises en sous-offre, je ne sais pas très bien comment on appelle ça, et où là, ça va être très, très conséquent. Et donc nous avons été contraints de neutraliser une voie de circulation dans le sens montant de la rue d'Ailly à partir de Maserati dans le virage, vous l'avez vu, il n'y a plus qu'une voie de circulation qui monte, avant il y en avait deux, et puis dans le sens descendant il en reste une, donc ça nous a obligés
J'ai oublié pour le T2, pardon, la RATP. Effectivement, du coup, ils ont été obligés de changer beaucoup d'arrêts de bus. Et notamment ceux sur le pont et le Chint. Comme le Chint est fermé, ils peuvent plus le prendre. Donc, certains, c'est temporaire, ça va revenir le temps du chantier. Mais bon, c'est vrai que c'est très préjudiciable le temps du chantier. Alors, ils maintiennent quand même des arrêts hein, en bas, en haut de la rue d'Aï, mais au milieu, il y en a moins, voire plus. Parce que la rue va déjà être suffisamment encombrée. Si en plus, comme on est avec une seule voie, si on a les arrêts de bus, on s'en sort plus. Bon. Donc c'est la même chose pour devant les parkings, devant les hôpitaux, pardon, le CH4V et Curie, où donc le chantier de la gare du Grand Paris va rendre le site extrêmement complexe et difficile. C'est pour ça d'ailleurs que le parking Joffre disparaît et que donc le chantier est en cours. Et donc ça. La livraison, c'est 2030 à peu près, mais donc ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça pendant 6 ans, parce qu'après, il y a un an, en fait, quand la gare est terminée, il y a quasiment un an d'essai. Et là, les essais, c'est souterrain, c'est l'exploitant qui fait fonctionner les rames et qui teste la sécurité du dispositif. Hein, je vous rappelle, c'est 200 km souterrain, 68 gares, donc oui, ça se teste un peu. Alors, la 15 Sud sera en exploitation avant, hein, bien évidemment. Mais pour nous, c'est 4 ans de travaux durs et après 2 ans beaucoup plus apaisés, avec au final un rendu qui va être tout à fait exceptionnel par rapport à ce que nous avions aujourd'hui. Nous avons réussi, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis sur ce sujet, à obtenir que la gare Napoléon III soit non pas démolie, mais déconstruite, et elle sera reconstruite. Et donc la ville en prendra possession et en prendra la propriété, et nous installerons un commerce, peut-être une brasserie, enfin je ne sais pas très bien, on verra ce qu'on installera dedans. Il faut déjà que le chantier soit terminé et que la gare soit livrée. Mais on va avoir une place, M. Berthet, avec les services techniques de la ville, travaille beaucoup là-dessus, l'URBA et puis la direction des services techniques avec Mme Mons, pour qu'on ait un site qui soit très qualitatif et considérablement amélioré par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, y compris l'accès partie haute. Parce que ça a été un combat. C'était comme le Steve de l'époque de M. Huchon. Tout le monde est très excité par ce qui se passe en bas, parce que c'est vrai que 75% de la gare actuelle, la gare du Transilien aujourd'hui, c'est 17 000 voyageurs jour, hein, c'est la deuxième gare des Hauts-de-Seine après la Défense, hein, devant des grandes villes. Hein, donc Saint-Cloud est la deuxième gare des Hauts-de-Seine après la Défense. Et 75% des usagers de cette gare passent par le bas. Parce qu'ils arrivent de Boulogne, ils arrivent d'un tas de... Ou du centre-village ou de la ville ici. Et 25% arrivent par le haut. La différence, c'est que dans les 75% qui arrivent là, par le bas, il y en a très peu qui sont clodoaldiens. 15-20%. Alors que dans les 25% qui arrivent par le haut, c'est 100% de clodoaldiens quasiment. Et donc moi, ça me préoccupe autant que les... Vous voyez, parce qu'en termes de passagers, les clodoaldiens sont très majoritaires. Et donc l'aménagement de la ville haute a été un enjeu réel pour la gare du Grand Paris. Nous avons réussi à peu près à obtenir, c'est pas tout à fait fini, hein, mais à obtenir des aménagements et des choses qui vont respecter la capacité de vivre là-haut dans un endroit qui est extrêmement contraint, hein. La rue Armengaud est très étroite. La rue Couturo, j'en parle pas. La giration des bus, c'est une catastrophe. La rue Pozzo di Borgo n'est pas forcément très dimensionnée non plus. Et donc, il nous fallait retrouver de l'espace public à cet endroit-là, parce que ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire la dépose minute, les arrêts taxis, les arceaux pour les vélos, les bus, etc., tout ça, ça exige de l'espace public, ça a besoin de place. Et donc, on a beaucoup travaillé, bagarré durement avec la Société du Grand Paris pour obtenir quelque chose qui n'est pas tout à fait abouti encore aujourd'hui, mais qui sera nettement plus satisfaisant que ce qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis le premier à me désoler des 4 maisons qui vont disparaître dans le haut. Hein, bon. Mais bon, il y a une déclaration d'utilité publique et il y a peu de... On ne pouvait pas résister. Et justement, tout mon enjeu, ça a été de faire en sorte que je repense à une tribune, je crois que vous avez écrite il n'y a pas longtemps, qui me faisait rire un peu, parce que je me disais, mais finalement, ces gens-là ne savent pas ce qui se passe. Et c'est formidable d'écrire des trucs, mais c'est mieux de savoir ce qui se passe. Parce que toute la bagarre, c'est justement de ne pas avoir signé, alors je suis le seul, hein, je le reconnais,
à ne pas avoir signé un contrat avec l'État. Parce que vous voyez, quand vous signez des contrats avec l'État, ça a déjà existé dans le passé, ça s'appelait des CDT, des contrats de développement territoriaux. Et donc, vous avez la promesse de l'État de financement avec l'obligation en face de densification. Et ceux qui ont signé les contrats à l'époque, je ne les avais déjà pas signés à l'époque, j'étais déjà le seul, ont eu la densification, mais ils n'ont jamais eu les financements. Vous voyez ? Parce qu'avec l'État, il faut toujours faire très attention, la caserne de Sully en est un excellent exemple. Même quand ils signent un papier et qu'ils prennent des engagements écrits, ils ne les respectent pas. Donc moi, vous voyez, chat est chaudé, craint l'eau chaude, et donc je n'ai pas signé de contrat de développement, mais dans l'intérêt de la commune. Parce que sinon, vous auriez vu fleurir des immeubles à cet endroit-là, à un endroit qui est quand même très dense, même s'il y a encore une respiration avec du pavillonnaire, et qui est un des patrimoines de notre commune. Et moi, je ne souhaite pas qu'on touche à ce patrimoine. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas signé. Et c'est la raison pour laquelle je me suis bagarré pendant des années pour que, puisqu'ils sont amenés à démolir 4 maisons, on récupère à cet endroit-là de l'espace public, dont on a besoin, pour mettre des vélos, pour mettre tout un tas de trucs. Et le combat n'est pas terminé. Donc, chantier donc, de la gare du Grand Paris, pardon si je suis un peu long, hein, mais c'est important de vous donner les explications. Chantier de la gare du Grand Paris, deuxième chantier. Troisième chantier, la fameuse caserne Sully, je ne vais pas me réétendre sur le sujet, tout le monde sait ce que j'en pense, avec cette histoire du musée du Grand Siècle. Alors lui, objectivement, aucun impact sur la circulation. Le chantier se déroule dans sa parcelle, tous les camions rentrent dans la parcelle, franchement, il n'y a aucun impact sur la voie publique, etc. Donc le chantier va se dérouler, ça avance. Quatrième chantier, et après j'en termine, c'est le réaménagement des quais entre le pont de Saint-Cloud et le pont de Suresnes, avec une première partie qui va être justement la réhabilitation de la plage Georges Clémenceau. Et donc là, par contre, oui, il y aura un impact assez conséquent et assez dur, et c'est pour ça qu'il fallait que les 9 mois dont je parlais au départ de la RATP qui supprime le Chinte, il fallait que les 9 mois se passent assez rapidement pour ne pas venir percuter la plage Georges Clémenceau, qui devrait commencer en 2025, si ma mémoire est bonne. Donc voilà à peu près le panorama. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant presque 10 ans, un peu moins, 8 ans, je crois, côté Boulogne-Billancourt, au pont de Sèvres, il y avait aussi un dévoiement de circulation avec la fameuse gare du pont de Sèvres, de la ligne 15 Sud. Oui, ça a été très pénible. On évitait de passer de ce côté-là de la Seine. On restait de notre côté parce qu'on savait que là-bas, on ne circulait pas. Ça va être tendu chez nous aussi. Il y a un dernier sujet qui n'est pas dans notre commune, mais qui va avoir un impact. C'est qu'il est prévu le réaménagement de la place de la cristallerie à Sèvres. Vous savez, c'est la tête de pont du pont de Sèvres où il y a le musée de cristallerie et de Sèvres. Et pareil, cette place doit être réhabilitée. Alors elle, ça fait 10 ans qu'on a eu le projet et la maquette, on sait très bien ce qui va se passer. Et donc j'ai demandé au président du département, Georges Chiffredi, d'avoir une réunion de coordination entre le maire de Sèvres, le maire de Boulogne, le maire de Saint-Cloud, le président du département et les différents services pour qu'on arrive à faire cohabiter l'ensemble de ces chantiers. Et du coup, pour l'instant, il est prévu de retarder le musée, la place de, je ne sais plus quel est son nom, mais la tête du pont de Sèvres, en fait, la place où il y a le musée de cristallerie de Sèvres. Voilà. Donc ça, pour l'instant, ça va être un peu retardé, parce que sinon, il y a un moment, on n'y arrive pas, ça passe plus. Bon, voilà. Donc, franchement, oui, ça va être tendu, c'est difficile. Il faut que nos hôpitaux continuent de fonctionner, c'est très important, hein, Curie comme le CH4V. Il faut qu'on reconstruise l'offre de stationnement qui a disparu à Joffre, et on s'y emploie tous les jours, même s'il y a des oppositions, il y a des recours qui, pour l'instant, nous ont tous été favorables, puisqu'il y a eu 3 procédures, je le rappelle, hein. 2 procédures au civil, une en première instance, une en appel, nous avons gagné les 2 procédures. Une première procédure au tribunal administratif, nous avons eu l'ordonnance il y a 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, où on a gagné. C'était sur le mode de gestion de délégation de services publics, où le parc de Berne avait attaqué la délibération de septembre 2020, si ma mémoire est bonne, et le tribunal administratif nous a donné raison. Donc on va continuer, mais toutes ces procédures nous font perdre du temps, parce que tant qu'elles sont en cours, c'est quand même difficile de commencer. Ça,
ça coûte de l'argent à la commune et ça fait perdre du temps, mais c'est ceux qui font les recours qui sont responsables de cet état de fait. Mais on a besoin de reconstituer une offre de stationnement pour tous les usagers des hôpitaux. C'est un projet d'intérêt général incontestable. Voilà à peu près ce que je pouvais dire, même si j'ai été un peu long sur les difficultés que nous allons avoir. Mais oui, mais c'est tellement facile de faire l'amalgame sur tout que vaut mieux être segmenté. Voilà. Prochaine question. Oui, je vais revenir sur le sujet des commerces. Et donc, j'ai eu des échanges avec des personnes du quartier de la Bérangère qui s'inquiètent sur les commerces qui sont fermés. Et pour tout dire, j'ai même encore été appelée hier pour poser cette question que je devais transmettre vendredi. Donc, les personnes habitant là-bas se demandent ce qui va se passer puisqu'ils n'ont plus de boulangerie depuis quasiment un an. La droguerie est fermée, le restaurant japonais, il paraît qu'il est fermé également. Et du coup, nous nous sommes posé des questions sur l'état général des commerces. Donc dans ce quartier, est-ce qu'il y a un problème spécifique? Et au niveau de Saint-Cloud, est-ce que nos commerçants rencontrent des problèmes particuliers? Puisqu'on sait bien qu'on est dans une phase de récession qui est assez difficile et on le voit en se promenant dans Paris tous les jours. Donc, nous avons appris que la parapharmacie du Monoprix là, allait fermer également. Donc, qu'est-ce qui est fait pour nos commerces de proximité et qu'est-ce que l'on peut faire pour les soutenir? Madame Askenazi. Alors, pour répondre donc sur le sujet... Pardon. Alors pour le sujet de, au sujet de la Bérangère, donc effectivement il y a plusieurs fermetures et nous sommes très préoccupés par ces fermetures successives qui s'expliquent par plusieurs facteurs aggravants et une conjoncture défavorable. Donc le premier obstacle est celui du prix des locaux. La boulangerie est allouée à 5833 euros par mois, plus 866 euros de charges. La droguerie, quant à elle, est à céder pour un montant de 850 000 euros, sans compter les nombreux travaux à réaliser. Ces montants sont exorbitants, rapportés notamment à la localisation des commerces. Malgré nos efforts, nous avons de grandes difficultés à trouver des porteurs de projets capables d'investir de telles sommes dans un lieu où l'attractivité économique n'est pas du tout évidente. D'autre part, la copropriété de la Bérangère est très exigeante sur les activités des repreneurs. L'année dernière, plusieurs porteurs de projets qui souhaitaient racheter la droguerie ont été dissuadés, voire empêchés, notamment un dentiste et une personne désirant d'ouvrir une salle de boxe. Voilà, ils n'ont pas accepté le dentiste qui aujourd'hui s'installe rue d'Ailly. Et concernant le petit casino, cette enseigne appartient au groupe Casino qui est en grande difficulté financière et qui ferme ses commerces au fur et à mesure. Donc le magasin de la Bérangère n'a pas intéressé le repreneur du fait notamment de son faible rendement. En effet, ce genre de petit commerce de proximité est très difficilement viable de nos jours et les riverains les réclament et finalement les utilisent très peu. Mais néanmoins, nous travaillons toujours activement à la recherche de porteurs de projets, notamment pour la boulangerie. Nous avons rencontré différents acteurs du secteur et démarchons toujours des boulangers. Donc voilà pour la Bérangère. Ensuite, pour le commerce en général, effectivement, le commerce en général, il est défavorable partout dans notre pays. L'activité économique souffre, mais néanmoins, les commerces de Saint-Cloud s'en tirent plutôt bien. Il en est la preuve par le très faible taux, par le très faible nombre de cellules vides sur la ville actuellement. On en a une quinzaine de vides sur 320. À ce jour, notre liste de porteurs de projets est plus longue que celle des cellules disponibles. L'absence de repreneurs sur les cellules disponibles s'explique généralement par un prix trop élevé ou un emplacement difficile ou des travaux importants. Quant à la fermeture de la parapharmacie du Monoprix, cela ne constitue pas un événement particulier. Le pharmacien du boulevard de la République, étant le même propriétaire que la parapharmacie, a décidé de regrouper les deux activités,
Mais néanmoins, un projet de reprise est en cours et ce local est très bien placé et ne devrait pas rester vide très longtemps. Merci beaucoup pour ces réponses précises. C'est vrai que 6 000 euros de loyer pour la boulangerie de la Bérangère, plus le coût de l'électricité quand vous fabriquez du pain, c'est injouable. C'est injouable. Alors, question suivante. Alors, la question suivante, elle porte sur l'extension de la ligne 10 dont oui. nous avions déjà parlé. Donc, en fait, il y a eu un vote, paraît-il, dans un climat de grande tension. Sur le volet mobilité du contrat de plan État-Région pour la période 2023-2027. Et donc, ça a été signé le 20 décembre par Valérie Pécresse et Clément Beaune. L'idée, c'est de... Donc, le plan global, il porte sur 8,4 milliards et il vise à renforcer l'offre de transport et verdir les mobilités du territoire. Donc, en ce qui concerne notre ville, en fait, il est intéressant de savoir qu'une enveloppe de 120 millions a été prévue pour une étude stratégique sur le prolongement d'une quinzaine de lignes de métro et que l'extension de la ligne 10 sur Saint-Cloud est nommément citée dedans. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus là-dessus. Bien évidemment, c'est très tôt et puis on compte bien avoir des nouvelles sur le sujet. Alors, le CPER, le contrat de plan État-Région, qui est un outil régulier de contractualisation entre l'État et la région, notamment pour les transports, d'abord, il était clos depuis 2021, je crois, et donc il était temps qu'on le renouvelle. Et normalement, la pratique veut que, quand la région met 50, l'État met 50. Bon, et c'est à parité. Bon, là, du coup, l'État avait bloqué son investissement. Et donc, je crois que la région est à deux tiers et supérieure à celui de l'État. Moi, j'ai assisté à différentes négociations au titre de... Je suis le deuxième vice-président d'Île-de-France Mobilité et au titre du département, parce que j'ai la compétence, je suis vice-président en charge des transports. Et donc, j'ai assisté en présence du préfet de région, du préfet de département, de Île-de-France Mobilité aux négociations. Franchement, je ne peux pas dire qu'il y a eu de tension. Moi, je n'ai pas vu de tension. On a voté tout ça partout. Oui, il y a un déséquilibre. On n'est pas sur le 50-50 qu'on connaissait avant, mais du coup, la région a dit qu'elle mettait plus. Donc, il a enfin été voté. Il était temps parce qu'on n'en avait plus. Et parmi tous ces votes, effectivement, le prolongement de la ligne 10 était inscrit dans le SDRIFE, d'ailleurs. Et je crois que, d'ailleurs, on est plusieurs à se mobiliser sur ce sujet. Moi, vous savez, ça fait 2010, je crois. Oui, ça va faire 15 ans maintenant. 2011, je crois que c'était déjà dans notre PADD. L'étude est inscrite. Il y a une vraie réalité à ce que ça puisse s'étudier maintenant, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour un tas de raisons techniques. Je ne vais pas revenir dessus ce soir, mais ce qui n'était pas tout à fait le cas à l'époque. Et donc, à la fois, notre collègue première adjointe, Ségolène Delarmina, qui est conseillère régionale et qui siège dans la majorité régionale, a œuvré pour cette inscription. Notre député, Pierre Cazeneuve, a aussi œuvré pour cette inscription. Moi aussi, donc tout le monde a joué de concert là-dessus. Oui, maintenant l'inscription est actée. Après, vous savez, ce sont des études très complexes, difficiles à mener, coûteuses. Il va falloir hiérarchiser les priorités. Mais il y a un vrai intérêt ferroviaire à ça, parce que en fait, Saint-Cloud est un hub. On a la double interconnexion avec Saint-Quentin, avec Versailles. Et d'ailleurs, on a un certain nombre de gens qui prennent leur train encore plus à l'ouest et qui descendent à Saint-Cloud pour ensuite aller soit travailler dans Boulogne-Billancourt ou soit prendre le T2 ou faire autre chose. Et là, d'abord, la ligne 15 ouest va mailler ce hub, ça va rajouter en plus. Et donc, si on a le hub déjà existant, la ligne 15 ouest en dessous, puisqu'en fait, c'est à l'aplomb, hein, elle est 52 mètres sous terre, et en plus, après, le maillage avec la ligne 10, c'est vraiment... C'est vraiment, j'allais dire, royal au bar. Je ne sais pas si c'est l'expression populaire qui convient. Elle n'est pas adaptée à notre séance. Mais enfin, c'est une bonne nouvelle quoi, pour tout le monde. Alors, on parlait tout à l'heure de la complexité des travaux. Je peux vous dire que là, il va y en avoir. Parce que je vous rappelle que le premier problème technique pour passer sous la Seine, c'est de reculer Rhin et Danube de plusieurs centaines de mètres hein, dans Boulogne. Parce que sinon, on ne peut pas passer en dessous. C'est 4% de pente. Donc, pour la profondeur, il faut être très loin, à 4% de pente, vous faites le calcul, et vous allez voir où ça vous mène dans la rue, dans la route de la Reine, en fait. Hein.
Donc c'est un premier sujet, sachant que c'est le terminus en plus de la ligne 10. Donc bon, enfin voilà, il y a plusieurs soucis, mais ça, on est passé sous la Manche pour aller en Angleterre, on doit savoir faire ça. Simplement, ça ne va pas se faire en 3 minutes. Route de la Reine, il y a des immeubles, Rhin et Danube, c'est dense. Enfin, vous voyez, donc pour l'instant, on est confiant. Il y a une mobilisation de tout le monde, je l'ai rappelé, de tous les acteurs, de l'ensemble de notre conseil, du député, du maire, de la conseillère régionale. Donc tout ça est formidable. Et puis le président Castex a l'air d'être très... Lui, il a envie d'ouvrir des lignes de... Tout ce qui est prolongement, il est content, lui. Après, faut financer, faut techniquement que ça se fasse. Dans quel délai, dans quel calendrier, vu qu'on en a pour 6 ans à sortir la ligne 15, vous voyez, Mais ça chemine. Et en tous les cas, on peut dire qu'en ce moment, il y a un faisceau d'indices convergents pour que cette probabilité soit étudiée sérieusement avec des études d'une complexité que vous imaginez, mais qui vont être mises en œuvre. Voilà où on en est à peu près aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est à monsieur Mechmaz, alors. Je vais mettre comme ça. Oui, merci, monsieur le maire. Chers collègues et chers clodoaldiens qui suivent les activités de notre conseil municipal, je siégerai désormais en tant qu'élu indépendant. Dans le jargon, on dit non inscrit, sous-entendu dans un groupe d'élus au conseil municipal. Je tiens à préciser que cette décision de réduire la taille du groupe Saint-Cloud 2020 de 5 à 4 membres n'est pas ma décision, mais celle des autres élus de ce groupe. Dans un souci de respect et de transparence vis-à-vis des électeurs, je vais donc rendre compte de cette situation en expliquant tout simplement ce qu'il s'est produit. L'investiture de La République En Marche pour les élections municipales de mars 2020 à Saint-Cloud a été donnée tardivement, en octobre 2019. À ce moment-là, comme d'autres colistiers sur la future liste, je ne connaissais pas Pierre Bosch et Delphine Potier. Et puis, chacun témoignant de son soutien à Emmanuel Macron, nous avons supposé qu'on voyait les choses de la même manière. Un peu naïvement. Nous avons immédiatement été plongés dans le tourbillon d'une campagne municipale menée tambour battant, à l'issue de laquelle nous nous sommes retrouvés élus côte à côte. C'est alors que, confrontés à l'exercice du mandat local et à des questions concrètes concernant le quotidien des habitants, nous nous sommes rendus compte que nous souhaitions des positionnements politiques difficiles à concilier. Aujourd'hui, nos chemins se séparent. Et pour des raisons de fond qui me semblent honorables, c'est-à-dire manque d'expérience politique et de temps, on ne pouvait pas deviner à l'avance finalement, vu les circonstances. Et c'est pourquoi j'accueille cette décision avec sérénité et confiance pour la suite. La suite, pour ma part, c'est la fidélité à l'engagement pris vis-à-vis des électeurs de participer à la représentation d'une étiquette politique, en l'occurrence La République En Marche devenue Renaissance, en étant cohérent de celle-ci. Avec un cap clair, d'abord incarner un positionnement politique équilibré et ensuite continuer à être dans un rapport constructif avec la majorité municipale via des propositions concrètes comme je m'y emploie depuis le début de la mandature pour agir dès maintenant et obtenir des résultats pour les clodoaldiens et l'intérêt général. Vous pouvez compter sur moi et sur celles et ceux qui partagent cette vision. Je passe à la question. Du coup. Allez, voilà. Donc, première question. Elle porte sur l'expérimentation, sur une proposition d'expérimenter le congé menstruel. Selon un sondage IFOP, 53 des salariés EES menstrués ont des règles douloureuses, dont 10% très douloureuses. On pense par exemple aux femmes souffrant d'endométriose, un phénomène qui touche une femme sur 10 en France. Donc on en a tous dans notre entourage. Il semble donc essentiel de pouvoir prendre en compte l'impact que peuvent avoir ces cycles menstruels sur le travail. C'est déjà le cas en Espagne et dans d'autres pays. C'est aussi le cas dans certaines entreprises françaises et dans certaines collectivités territoriales. J'ai lu ici et là qu'il n'y avait pas eu de retour en arrière et que les expériences locales avaient été plutôt positives. Mais peut-être ai-je manqué quelque chose. Donc Saint-Cloud pourrait... peut-être à son tour décider de mettre en place un congé menstruel, c'est-à-dire une dizaine de jours environ par an d'autorisation d'absence rémunérée, qui ne serait pas soumis à carence pour les femmes dont les règles sont incapacitantes sur avis médical
pour une meilleure prise en charge, évidemment. J'entends les débats en France, notamment au Sénat, où on oppose l'atteinte au secret médical, le risque de discrimination à l'embauche, le risque de désorganisation du travail aussi. Mais je me dis qu'effectivement, l'expérimentation locale, si elle est positive ailleurs, alors pourquoi ne pas essayer aussi chez nous et se montrer volontariste, sachant que, d'après ce même sondage IFOP, 66% des salariés sont favorables à la mise en place du congé menstruel. Cela contribuerait à tenir compte du réel pour développer l'attractivité des métiers de la ville et fidéliser les agents. Ce serait également un signal fort en direction du personnel le moins rémunéré et pour qui les arrêts maladie sont les plus pénalisants. J'en arrive aux questions. Combien de personnes pourraient bénéficier de ce dispositif en première estimation ? Si je prends l'exemple de Saint-Ouen, le ratio est de 15%. Voilà, donc c'est pour donner un ordre de grandeur, mais du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond pour la ville de Saint-Cloud. Quel serait le coût de cette mesure ? Et puis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement ? Bon, monsieur Meschmas, chers collègues, bon, d'abord, moi, je ne souhaite pas commenter les aventures politiques de votre groupe. Chacun a sa vie. On sait très bien que la vie est compliquée, pas facile, et que, bon, ça peut arriver dans une équipe. Donc, moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur vos évolutions. En revanche, je crois que vous n'avez pas bien compris ce qu'était le rôle d'un élu, parce que votre question, elle relève soit de la DRH, soit de la Direction Générale des Services, soit éventuellement des syndicats, d'ailleurs, parce que c'est le rôle, hein, des syndicats, de défendre les intérêts de leurs collègues, pas celui du conseil municipal qui doit mettre en place des politiques publiques, mais pour les administrer. Vous voyez bien que c'est un sujet là qui, pour l'instant, d'ailleurs, ne fait pas l'objet de réglementation encore, hein, puisque je crois qu'il y a eu une loi qui a été rejetée. Elle n'a pas été adoptée. Donc voilà. Vous savez, je conçois, on parlait tout à l'heure de la difficulté de la chose publique, de la compréhension des enjeux locaux et du fait que les gens ne s'engagent pas ou même d'ailleurs ne votent plus parce qu'ils se détournent de la complexité des politiques publiques, des dispositifs qui sont mis en place, etc. Je crois que si on commence, nous, en conseil municipal, à parler de ce genre de sujet qui ne concerne pas les élus, en fait, qui concerne peut-être éventuellement les agents, mais vous savez, il y a une ambiance apaisée dans l'administration municipale à Saint-Cloud. Il y a des syndicats qui font bien leur boulot. Il y a un maire qui est à l'écoute, une direction générale des services et une direction des ressources humaines qui est à l'écoute, on voit les syndicats, on discute avec eux, c'est le travail qu'on a fait pour la prime pouvoir d'achat d'ailleurs, parce qu'au début on était, et les syndicats et nous, on n'était pas sur ce dispositif-là, on a proposé autre chose aux agents qui nous ont dit, mais non, finalement, nous on veut la prime pouvoir d'achat, on a dit, si vous voulez la prime pouvoir d'achat, on va vous la donner, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est pas le rôle des élus et pas celui du conseil municipal, donc, vous voyez, c'est, bon, donc... J'ai pas de réponse à vous apporter sur ce sujet-là aujourd'hui. Puis je crois surtout, moi je vais vous dire, hein, ça peut être une vraie difficulté pour les femmes qui souffrent de cette pathologie. Je n'en disconviens pas. Mais les élus, ils s'engagent au service de l'intérêt général pour essayer de régler les problèmes qui se posent au pays ou à leur strate de collectivité et en y apportant des solutions d'intérêt général qui concerne le plus grand nombre. Et vous voyez bien que là, on n'est pas dans ce champ-là. Ça ne veut pas dire que dans l'administration, il ne faudra pas être attentif à ça, mais ce n'est pas le sujet du conseil municipal. Enfin, franchement, c'est un autre sujet qui regarde le management territorial et l'administration et encore une fois, d'ailleurs, les syndicats qui sont partenaires des agents. Donc, nous, il faut bien qu'on fasse attention. Hein. J'évoquais en début de séance l'ensemble des problèmes auxquels notre pays est confronté. Il faut qu'on s'attelle à ça. Il y a d'autres instances, il y a un comité social territorial, il y a plein d'instances pour discuter de ce genre de questions, mais pas celle du conseil municipal. Donc moi, je n'ai pas de réponse plus claire à vous apporter sur ce sujet-là ce soir, parce que ce n'est pas le lieu. Okay. OK, merci. Alors du coup, peut-être que vous ferez la même réponse sur la deuxième question que j'ai, qui concerne aussi un aspect RH.
effectivement, mais je la pose quand même, puisque j'ai vu des délibérations passer dans ce sens-là dans certaines communes, alors je ne sais pas exactement les arcanes dans lesquelles ça s'est passé. Donc, c'est à propos de la mise en place d'un congé, d'une extension au congé de paternité. En fait, l'arrivée d'un enfant dans une famille est tout à la fois un merveilleux miracle de la vie et une nouvelle responsabilité à assumer pour les parents. Vous le savez, pour faciliter la réussite de cette étape clé dans la construction de la famille, la majorité présidentielle a agi puissamment en 2021 en passant la durée du congé de paternité de 11 à 28 jours. L'allongement du congé de paternité contribue au renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes en permettant au stade de l'arrivée de l'enfant de travailler à la répartition des tâches et sur la relation entre les parents et l'enfant. Rappelons aussi qu'une partie des mères, 10 à 20% selon Amélie.fr, est touchée par une dépression postpartum dans les semaines qui suivent l'accouchement. C'est aussi la possibilité donc pour les pères d'être présents, tout simplement, pour aider à franchir ce cap et participer encore plus à la construction du nouvel équilibre du foyer. C'est pourquoi d'autres communes, comme Lyon ou Arras, mère centriste, je précise, ont instauré pour les agents de la mairie une extension au congé paternité, pour le prolonger jusqu'à 10 semaines, c'est-à-dire au même niveau que le congé maternité post-natal. Le coût estimé est de 5 000 € par agent, et c'est un investissement de la ville en faveur d'un temps précieux à un moment clé pour la construction des familles du personnel. On pourrait donc proposer que la mairie encourage d'abord les pères à utiliser leurs droits existants, puisqu'une partie d'entre eux n'en font pas usage, 10% selon les chiffres nationaux que j'ai eus entre les mains pour les fonctionnaires. Évidemment, c'est beaucoup plus pour les autres professions. Que soit mise en place une autorisation spéciale d'absence, qu'on pourrait appeler congé de coparentalité, puisque finalement ça concerne quel que soit le genre du deuxième parent, pouvant aller jusqu'à 6 semaines, donc soit 6 semaines consécutives après le congé de paternité, soit 4 semaines après le congé de paternité, et ensuite 2 semaines consécutives à l'issue de la fin du congé de maternité pour faciliter la reprise de l'activité professionnelle de la mère. Donc d'abord, petite question, effectivement, RH, quel est le taux de non-recours au congé paternité à Saint-Cloud? Je ne sais pas s'il existe, si on l'a. Et puis, combien d'agents pourraient être concernés chaque année en moyenne? Donc à Arras, 40 000 habitants, j'ai vu que c'était 3 personnes cette année, donc je m'attends à un chiffre modeste, mais du coup, c'est symbolique. Et puis, qu'en pensez-vous, même si vous avez déjà partiellement répondu à la question? Bah oui, c'est le même sujet, enfin... Qu'est-ce que j'en pense, moi? Non, mais tout ça, c'est sûrement formidable. Mais je crois d'ailleurs qu'on a un agent qui en a profité il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, parce qu'il a une famille assez nombreuse et il est très allant dans la natalité de son couple. Et donc, il a profité de ce congé. C'est un agent. Mais voilà, donc, vous savez, si ça concerne 2 ou 3 agents... on ne va pas se réunir à 35, puis ce n'est pas le lieu non plus. Enfin, c'est la même réponse que tout à l'heure. Donc ça, il faut laisser faire pareil. Là-dessus, vous avez raison, hein, le congé parental, il a été allongé. La loi, là-dessus, contrairement à la première question, où la loi n'existe pas encore, mais dans la deuxième, oui, il y a déjà des choses qui ont été faites. Donc c'est à la disposition des agents, ils ont des informations, ils peuvent aller voir l'ensemble des ressources humaines, et puis ça se traite à ce niveau-là. C'est pas le conseil municipal qui est en charge, et heureusement d'ailleurs, qui est en charge de ça. On nous demande souvent de délibérer pour un tas de trucs, mais... Donc voilà. Alors, monsieur Brunschvicg. Alors nous, on a une question, c'est Alain qui va la poser, mais avant, on va faire une déclaration. Ouais. Nous, on est très inspirés par les groupes trotskistes, donc on va scissionner. Nous, on adore les fractions, les scissions, les tendances, donc une ligne plutôt nup, anti-nup, voilà, on va faire... On va bien connaître notre collègue Alain Monteil qui siégeait en 2008, déjà, il est très nup. Hein. C'est foutu, hein. Et une précision quand même, avec ce qui se passe dans le groupe Ex En Marche,
Comment ça se passe dans le journal municipal? Moi, je me souviens qu'il y avait un petit précédent quand les copains de Saint-Cloud, c'est vous, avec le dingue, là, Thierry, pardon. Oui, tout à fait. Pardon pour le qualificatif. Excuse-moi, Thierry. Mais ouais, je sais, il faut que je fasse attention. Il y a 12 personnes qui nous regardent, sans compter les replays. Mais quand Thierry Diet avait quitté le groupe Saint-Cloud, c'est vous, il n'avait plus de tribune dans le journal municipal. Comment ça se passe avec nos copains d'à côté? Et pareil pour les questions. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils se partagent les questions? Est-ce que Raphaël Mechmaz continue à avoir le droit de poser des questions en tant qu'élu, etc.? Et donc voilà. Et après, il y a la question d'Alain. Alors, chacun a le droit de poser des questions. Vous savez, on a beau me qualifier de plein de trucs, je ne suis pas encore un autocrate. Donc, au conseil municipal de Saint-Cloud, à partir du moment où chacun respecte l'autre, chacun est libre de poser ses questions. Et donc, M. Mechmaz, il est conseiller municipal. Après, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que, parce que l'élection municipale, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'une équipe. Et donc, les administrés, ils votent pour une équipe. Après, l'équipe, elle gagne, elle perd, mais ils votent pour une équipe. Et d'ailleurs, je rappelle souvent avec M. Gruber, quand on reçoit les élèves du secteur primaire, on leur rappelle tout le temps que les électeurs, en fait, n'élisent pas le maire. C'est le conseil municipal qui élit le maire. Alors, évidemment, dans la très grande majorité des cas, le tête de liste, de la liste qui est arrivée en tête, finit par être maire. Mais l'histoire a démontré que parfois, ça se passait autrement. Oui, mais vous n'étiez pas en tête. Vous n'étiez pas en tête. J'ai bien précisé de la liste qui arrive en tête. Voilà. Mais c'est d'abord une affaire d'équipe. Et donc, moi, j'ai beau être maire, j'ai la même légitimité que mes 28 collègues de la majorité municipale. Parce qu'on a fait une campagne ensemble à 35, comme vous, à 35, comme M. Bosch à 35. Et donc, le score, c'est celui de l'ensemble de la liste prorata, ensuite du décompte qui fait aujourd'hui l'ensemble de notre assemblée. Donc, après, la vie, elle est ce qu'elle est. Malheureusement, on se sépare ou on ne se sépare pas, j'en sais rien, si c'est malheureux ou pas, mais n'oubliez jamais qu'on a beau se croire tous formidables, parce qu'on a tous un peu d'illusion sur notre sort, mais en fait, on n'est pas si formidable que ça parce qu'on est tributaire d'un collectif. Et ce collectif, il a été constitué librement. Chacun a signé l'engagement d'être candidat. Vous savez, pour nos administrés qui nous écoutent, quand vous êtes en campagne, vous allez déposer votre liste en préfecture, mais préalablement, chacun signe, parce que c'est une spécificité française, un formulaire CERFA, dont je vous éviterai l'intitulé et le numéro, mais déclarant qu'il est librement candidat dans la liste dirigée par un tel. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc cette déclaration, on l'a bien fait au titre d'un collectif. Et après, c'est là où il y a une difficulté dans nos conseils municipaux, c'est qu'après, c'est difficile de dire finalement, moi je m'en vais et j'ai une légitimité, mais de quoi ? Du score qu'on a acquis à 35, nous on est 28, ils sont 5, vous êtes 2, bah, voilà, c'est en fait c'est le groupe, donc M. Mechmaz il a le droit de poser des questions, moi je ne suis pas du tout un bourreau et il aura le droit de poser des questions, il n'y a pas de difficulté. Alors vos questions M. Montet. Bon, alors je vais commencer par la liste des 17 questions qu'on vous a posées. C'est juste pour attirer l'attention. Hein. Bon, alors, c'est trois questions qui ont trait à l'Europe. Les trois, hein, vous avez vu sûrement. Bon, il y a une question qui est simple, mais je n'ai pas vérifié du tout si c'était mis sur les panneaux, etc. Mais il nous semble important que les Clodoaliens sachent qu'ils ont jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur les listes électorales. Saint-Cloud n'est pas mauvais en termes de participation pour les européennes. Les Hauts-de-Seine non plus. Et même au niveau national, c'est pas si catastrophique que ça. Je crois que la dernière fois, à Saint-Cloud, on avait fait 62% de participation, ce qui est pas mal. Et vu ce qui se passe en ce moment en Europe, voilà, donc notre question, c'est tout simplement... Voilà, vous avez raison, M. Montet, dans le magazine, comme on le fait à chaque année, enfin, pas à chaque année, à chaque élection plus précisément, dans le magazine du mois d'avril, il y a bien un rappel que les élections européennes ont relieu un seul tour, le dimanche 9 juin,
et qu'il faut s'inscrire préalablement sur les listes électorales, si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire, mais c'est le préalable si on veut voter, il faut être inscrit. Et donc, cette mention-là figure bien dans le magazine, et ça sera sur le site de la ville, enfin, dans les outils de communication habituels de la ville. Et vous avez raison de rappeler une particularité de notre commune, c'est qu'on est, j'avais regardé ça, je n'ai pas vérifié pour la dernière élection européenne de 2019, je crois. C'est pas ça. C'est, normalement, on est une des rares villes françaises à voter plus en participation aux européennes qu'aux municipales. C'est assez rare, hein, parce que généralement, on vote plus aux municipales qu'aux européennes en France. Et nous, on est une des rares communes en France qui vote plus aux européennes qu'aux municipales. Donc oui, on va le rappeler, c'est prévu dans les outils de communication de la ville. Bon, nous, on l'a mis en majuscule dans notre article. Deux autres questions, vous les avez vues. Bon, c'est plutôt une proposition, hein, c'est de se dire, même si on est à 2 ans des municipales, que ce serait intéressant, compte tenu de tout ça, d'avoir une démarche sur Saint-Cloud qui peut être transpartisane, hein, et qui peut toucher les partis politiques, associations, entreprises, etc., pour faire de Saint-Cloud, Saint-Cloud l'européenne, quoi. Enfin, c'est-à-dire pour développer l'esprit européen sur une ville comme la nôtre, avec plein de moyens. Alors vous allez me dire à quoi on pense. Eh bien, à rien de précis. C'est juste une idée, c'est juste une démarche, un projet, mais qui nous semble intéressant. Puis, on a l'école allemande, enfin, on a un certain nombre de traits. Et puis, dans la foulée, mais là, on ne peut rien faire, nous. Hein, déjà qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est concernant Paul, parce qu'il y a des endroits où on met des maisons de l'Europe. Hein, donc, ils sont des maisons d'information autour de l'Europe. Il y a quelques villes, quand même, en France qui mettent ça en place. Donc, voilà, on suggère également de réfléchir à ça, pas au niveau de Saint-Cloud, parce que c'est peut-être trop petit, mais au niveau de Paul. Bon, alors... En fait, l'idée n'est pas du tout saugrenue d'avoir un label ou, enfin, en tous les cas, une action pour que notre ville soit Saint-Cloud européenne. Mais le petit problème que nous avons sur ce sujet-là, pas avec vous, hein, mais en règle générale, c'est avant, préalablement, il faut se mettre d'accord sur quel type d'Europe on veut. Et là, force est de constater qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur le type d'Europe qu'on souhaiterait ou qu'on voudrait. Pendant des décennies, on nous a dit, mais ce qui était probablement vrai d'ailleurs, l'Europe va être le garant de la paix en Europe. Et on nous a dit ça, enfin depuis 1945, ça a plutôt pas mal réussi, même s'il y a eu quelques histoires un peu, notamment avec l'explosion de l'ancien bloc de l'Est, mais c'était pas quand même une guerre. Il y a quand même eu l'ex-Yougoslavie quand même, dans les années 90 quand même, mais bon. Mais là, force est de constater que depuis maintenant 2 ans, l'institution européenne ne garantit plus la paix. Quoi. Bon. Donc, faut se mettre d'accord d'abord sur le type d'Europe que nous souhaitons. Et là, les écueils commencent parce qu'on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui veulent sont plus pour une Europe fédérale. Moi, je suis plus pour une Europe des nations. Moi, je souhaite que les nations européennes retrouvent leur souveraineté. En fait, on nous explique des trucs qui ne sont pas la vérité. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense européenne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'harmonisation sociale. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Et pour autant, on essaye d'être à 27 et on nous dit qu'on pourrait être plus pour essayer de régler un tas de problèmes qui, finalement, ne font qu'éloigner... les pays, les administrés de la décision. Et on parlait de subsidiarité tout à l'heure, ben là on en a un exemple flagrant. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau de l'ensemble des décisions, de la transposition. On fait ça beaucoup quand on est à l'Assemblée, notre collègue Cazeneuve doit le savoir, on transpose beaucoup et on a une particularité en France, c'est qu'on transpose et parfois on amplifie même, on va un peu plus loin. Donc il faut se mettre d'accord, hein, il faut se mettre d'accord sur... Et là, c'est un débat qui avait plus ou moins été tranché en 2005 par un référendum. Il faut reconnaître que c'est la majorité que je soutenais à l'époque qui n'a pas respecté le référendum, parce que le référendum avait dit non au projet de traité de constitution européenne, majoritairement dans notre pays. On peut penser ce qu'on en veut, mais le peuple souverain, dans le cadre d'un référendum, s'était exprimé, le non l'avait emporté. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, quelques mois après, nous avons fait le traité de Lisbonne,
au mépris du vote qui avait été exprimé par les Français. Et donc, on peut penser ce qu'on veut du président de la République, Nicolas Sarkozy, de tout ce qui s'est passé à l'époque, mais ça fait partie des choses qui font que les gens se détournent de la chose publique, parce qu'à un moment, ils disent, mais dites donc, il y a eu un référendum national qui a donné lieu à beaucoup de débats, à des enjeux politiques, etc. Il y a une décision qui a été... Enfin, il y a une majorité qui s'est exprimée. Et finalement, au nom de la paix en Europe, notamment, mais peut-être d'autres intérêts, on a fait fi de ce vote souverain et on a fait autre chose. Bon. Et ça, c'est pas bon du tout, démocratiquement. Je sais pas ce qu'il fallait faire. Enfin, si, on pourrait en parler, mais c'est pas, il est déjà très tard. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc voilà. Donc il faut se mettre d'accord sur le projet européen. Qu'on ait une zone de libre-échange, on va pas revenir à la zone de l'Europe de l'acier et du charbon, mais qu'on ait une zone de libre-échange de commerce et de biens, aucun problème. Mais nous voyons bien que nous sommes confrontés avec nos frontières, avec tout un tas de choses, et que donc aujourd'hui, le modèle auquel nous sommes confrontés n'est pas en capacité de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc, avant de s'être mis d'accord et avant de faire Saint-Cloud l'européenne, encore faudrait-il, et je pense qu'on n'est pas d'accord d'ailleurs, mais c'est pas du tout grave d'ailleurs, c'est bien d'avoir des idées diverses, mais voyez, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on veut pour l'Europe, et moi pour ma part, je pense qu'il faut revenir à une Europe plus resserrée. Et oui, j'entends bien, mais si vous faites Saint-Cloud l'européenne, il faut à un moment avoir un idéal commun, parce que c'est quoi, quelle Europe vous voulez, vous voyez, si c'est pour faire juste un affichage, ça c'est très gouvernemental, mais ça apporte pas grand-chose. Donc, moi, le débat de fond, c'est quel type d'Europe on veut et quelle souveraineté on veut retrouver. C'est vraiment la question. La question, c'est pas d'avoir un projet européen commun. Ça peut être tout simplement de mieux expliquer le fonctionnement des institutions européennes avec tous les débats que ça peut générer. Mais c'est comment on rend plus concrète l'idée européenne à Saint-Cloud, y compris dans toutes les oppositions qu'on peut avoir. C'est tout. Hein. Ce n'est pas bourrer le mou des clodoaldiens en disant c'est cette Europe qu'il faut. Et c'est non, mais ce n'était pas mon idée. Mais moi, je pense que vous voyez, c'est le piège du truc. Parce que si vous expliquez... Alors d'abord, expliquez les circuits et les affres du fonctionnement entre la Commission, le Parlement. Et, vous allez voir, vous avez déjà perdu la moitié de la salle. Et puis c'est quand même cautionner ce qui existe, et moi je suis pas du tout en caution de la façon dont ça existe aujourd'hui, clairement. Bon, enfin, on aura l'occasion d'en redébattre, il est fort tard. Merci beaucoup mes chers collègues, bonne soirée.